Et bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour les huitièmes de finale de l'Eurobasket avec Adrien. Bonjour Adrien. Bonjour Josué. Et nous nous retrouvons donc en direct de la Mercedes-Benz Arena pour ce premier huitième de finale de l'Eurobasket qui va opposer notre équipe de France à la Turquie. Et les joueurs de l'équipe de France qui sont montés en puissance au cours de cet Euro après une défaite inaugurale face à la Mannschaft allemande. Mais s'en est suivi trois belles victoires face à la Lituanie. Et la Lituanie. La Hongrie et la Bosnie aussi. Mais il y a eu cette défaite, cette dernière défaite contre la Slovénie. Mais ce match a vraiment montré. La France a vraiment montré un beau visage face à la Slovénie de Doncic qui a encore écœuré les Français avec 47 points sur ce match. Donc la France a montré de belles choses. Sur cette fin de phase de poule, ils sont vraiment montés en puissance. Aujourd'hui, ils affrontent la Turquie, qui a fini deuxième du groupe A. Une belle équipe aussi en face. Il faudra se méfier des Turcs et surtout de Sengun, Alperen Sengun, qui est vraiment énorme en ce début d'Euro. Il a notamment mis 18 points en moyenne par match, avec 9 rebonds. Donc c'est vraiment le leader de cette équipe turque à seulement 20 ans. À se méfier aussi des deux autres de la NBA. Avec Seddi Osman et Furkan Korkmaz, qui sont vraiment très forts aussi. Ce trio NBA qui met 45 points par match en moyenne depuis le début de cet Euro. Donc à se méfier pour la France. Oui, tu l'as dit, un trio de joueurs qui est très efficace en attaque avec ce jeune Alperen Sengun qui est déjà le meilleur scoreur et le meilleur rebondeur de son équipe. Et malheureusement pour eux, on a appris hier l'absence de leur meneur star, Shane Larkin. Qui sera blessé pour ce match et pour la suite de l'Euro s'il y a suite pour cette équipe de Turquie. Et donc on va vous rappeler rapidement les modalités de notre commentaire en de description. Nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune sud, donc un panier à notre gauche, un panier à notre droite. À notre gauche les zones A et B et à notre droite les zones C et D. En bas à gauche la zone A, au fond à gauche la zone B. On suit la ligne de touche et au fond à droite nous avons la zone C et enfin en bas à droite la zone D. Nous vous indiquerons régulièrement dans quelle zone le ballon se situe et nous vous rappellerons ces zones juste après la mi-temps. Donc pour les compositions en Turquie, nous avons Osman, Senli, Tunser, Korkmaz et Sengun. Et du côté français, nous avons Terry Tarpe, Yabouzele qui était incertain mais qui est finalement dans le 5 majeur. Donc c'est une bonne nouvelle pour la France. Ensuite Rudy Gobert et Fournier, les tauliers de cette équipe. Et Andrew Albici pour mener le jeu de l'équipe de France. Et on voit déjà les supporters turcs qui sont nombreux, j'ai l'impression, dans cette salle à Berlin. Une salle que l'équipe de France n'a pas encore connue. On sait qu'ils ont fait toutes leurs matchs de poule à Cologne et que cette phase finale se déroule à la Mercedes Arena de Berlin. Mais oui, il y a une grosse communauté turque en Allemagne, donc la majorité des supporters vont être pour la Turquie. Mais il y a quand même quelques Français qu'on voit à l'image là avec des drapeaux et des maillots de la France. Donc... La France va quand même être contre, enfin la salle va être contre la France quand même, donc ça peut jouer surtout en fin de match, avec la pression qu'il y aura sûrement en fin de match si c'est serré, donc à voir. Et on voit les joueurs français à l'échauffement à 2 minutes du coup d'envoi, et il va falloir bien entamer ce match, on sait que ça va être un match compliqué, l'équipe de France n'est pas forcément en confiance, parce que ce match contre la Slovénie a été compliqué. Il va falloir être aussi efficace en attaque. On sait que c'est un peu le point faible de cette équipe de France depuis le début de la compétition. Alors que la Turquie, avec notamment Alperen Sengun, est très efficace. Oui, la France qui multiplie aussi les pertes de balles. 16 pertes de balles en moyenne par match depuis le début de l'Euro, dont 18 contre la Slovénie. C'est énorme à ce niveau de la compétition. Il faudra vraiment arrêter de faire ces erreurs si on veut espérer déjà gagner aujourd'hui et aller loin dans ce tournoi. Donc surtout qu'après, si on veut aller en finale, il faudra affronter la Serbie de Jokic en quart, la Slovénie de Doncic en demi et la Grèce de Antetokounmpo en finale. Donc vraiment un gros tournoi qui attend la France, bien sûr, si ces trois équipes se qualifient. Mais vraiment, arrêter les fautes bêtes, limiter les pertes de balles, comme l'a dit Vincent Collet hier en conférence de presse. Oui, c'est vrai qu'il l'avait aussi rappelé. On peut aussi rappeler que... La dernière rencontre entre ces deux nations dans un Eurobasket, c'était en 2015, au même stade de la compétition, en 8e de finale, chez nous, au stade Pierre-Mauroy de Lille. Et c'était l'équipe de France qui s'était imposée 76-53 ce jour-là,
On espère le même résultat aujourd'hui, alors que les équipes vont rentrer sur le terrain avec l'équipe de France habillée tout en bleu contre des Turcs en maillot blanc, en short blanc, et les arbitres seront habillés en pantalon noir et en maillot gris. Oui, la Turquie en maillot blanc avec un peu de rouge et la France en bleu avec un peu de blanc. Donc voilà, le match va bientôt commencer. Il y a Bouzélé qui salue les arbitres et qui fait une accolade à son capitaine Evan Fournier. Evan Fournier qui doit sortir une grosse partition aujourd'hui, surtout en attaque, pour porter cette équipe de France. Et oui, et le retour de Yeboussélé va faire du bien. On a vu qu'il avait un petit peu manqué contre la Slovénie, mais aujourd'hui, il est de retour et il va faire mal. On voit que l'équipe de France va attaquer de la droite vers la gauche, et donc ils défendront en zone C et D, et ils attaqueront en zone A et B, inversement pour la Turquie, et c'est le coup d'envoi. Avec Gobert, c'est Tarpé qui récupère le rebond. La France qui est en zone A avec Tarpé, balle en main, qui passe à Gobert à l'extérieur. Qui trouve. Non, interception de Cedi Osman en zone B, qui va vers la zone C, qui calme un peu le jeu, qui rentre dans la raquette, qui passe à Sengun, elle est dans la raquette. Korkmaz qui arrive dans la raquette aussi, qui shoot, et c'est raté, rebond Rudy Gobert. Et ça relance rapidement avec Fournier qui va rentrer maintenant dans la zone B. Tranquillement, Evan Fournier qui va préparer un système avec Rudy Gobert qui ressort. Rudy Gobert qui attend le déplacement de ses coéquipiers, qui va trouver Andrew Albici toujours en zone B, qui profite de l'écran de Rudy Gobert, qui va rentrer dans la peinture, qui ressort sur Yaboussélé à 3 points. Il prend le shoot, c'est dedans. Gershon Yaboussélé qui ouvre le score pour l'équipe de France 3-0. 3-0, beau 3 points Yaboussélé pour mettre cette équipe de France sur les bons rails, avec maintenant Osman qui relance en zone C face à Tarpé qui défend sur lui. Il passe à Tounser, Sengun, Tounser en zone D maintenant, qui va rentrer dans la raquette. C'est fait, il shoot et c'est raté, rebond Gobert. Albici maintenant à la main, qui accélère en zone B, qui passe à Tarpé en zone A. Fournier tout seul dans le corner en zone A, qui shoot à 3 points. Ouh, c'est raté de loin, rebond pour la Turquie. Oui, il était long ce shoot d'Evan Fournier. C'est la Turquie qui peut repartir avec leur meneur bien défendu par Andrew Albici pour l'instant. Et c'est Korkmaz qui va prendre le shoot à 3 points en zone D, c'est raté. Et Terry Tarpé qui va vouloir relancer et qui va calmer le jeu. Albici qui trouve Yaboussélé et il va calmer le jeu Yaboussélé. Yaboussélé en zone B qui passe à Albici sur la ligne médiane, qui calme le jeu, il reste 13 secondes de possession. Il rentre en zone B, il passe à Gobert dans la raquette, il rentre et c'est un... Non, c'est raté. Gobert qui rate le 2 points, rebond pour la Turquie. Oui, il avait bien pénétré Rudy, mais la finition est compliquée. C'est ressorti par Tounser qui va transmettre à Osman. Osman qui pénètre en zone D, qui ressort à 3 points, défendu par Rudy Gobert. Osman qui prend son temps, qui transmet, et c'est encore pour Osman. Il va peut-être jouer face à Rudy Gobert, il est plus rapide. Rudy dans la raquette, et c'est encore une fois bien défendu de la barre de Rudy Gobert, shoot raté par Cedi Osman. Fournier en zone B qui accélère. Il est derrière la ligne des 3 points, Fournier toujours, qui rentre dans la raquette, qui fait une passe à Gobert. Yaboussélé est maintenant à 3 points en zone B. Il rentre dans la raquette, il fixe, il shoot, c'est repris par Gobert, 2 points pour la France, 5-0. Et oui, on voit que les joueurs français se trouvent bien en attaque. Evan Fournier arrive bien à trouver les deux grands que sont Yaboussélé et Gobert, qui font mal à la raquette turque, 5-0. C'est maintenant Korkmaz qui mène le ballon, qui va profiter de l'écran de son pivot, qui va essayer de ressortir, mais c'est bien intercepté par Albici. Gobert qui part en contre-attaque, qui transmet à Yaboussélé, qui rate, c'est suivi par Gobert, et malheureusement il ne pourra pas conclure, mais faute pour l'équipe de France. Ouais, faute sur Rudy Gobert qui va offrir deux lancers francs pour la France. Cette faute du Turc sur le rebond de Gobert. Donc ça va donner deux lancers francs à la France pour mener 7-0. La Turquie qui n'arrive pas à scorer en ce début de match. C'est surtout bien défendu par la France. Un excellent début de match de l'équipe de France. Et les premiers lancers francs de ce match, on sait que c'est aussi quelque chose d'important pour gagner des matchs à ce niveau-là. Rudy avait eu un peu de mal sur son match face à la Slovénie au lancer. Et c'est le premier dedans, c'est bien, ça va le mettre en confiance pour la suite de ce match. Oui, la France qui tourne à 75% de réussite au lancer franc en ce début de tournoi. Voilà, ça peut encore être amélioré si on veut être vraiment chirurgical dans les moments cruciaux, surtout en fin de match. La France qui tourne aussi à 53% à 2 points. Et le deuxième lancer franc est dedans pour Gobert. 7-0 donc pour la France. Balle en Turquie en zone B avec Korkmaz qui relance, qui passe en zone D. Qui est défendu par Fournier, qui va chercher un partenaire, c'est fait avec Sengun, toujours à l'extérieur,
qui passe à Haussmann, qui va rentrer dans la raquette, donc qui ressort sur Sengun. Senli à 3 points, c'est raté. Rebond pour la Turquie, qui a toujours le ballon. Qui passe à Sengun à 3 points, c'est encore raté. Rebond pour encore la Turquie. Nouvelle possession, 14 secondes avec Haussmann maintenant en zone C. Qui va rentrer, non, qui passe à Sengun à l'extérieur. Qui feinte de shoot, qui shoot quand même à 3 points. C'est encore raté, mais rebond enfin pour la France. Et enfin le rebond, on a vu 3 possessions de suite rendues à la Turquie. Mais c'est maintenant Androual Bissi qui va pouvoir relancer le jeu en zone B. Qui va appeler un système, je pense, pour trouver Evan Fournier en zone A, qui profite de l'écran de Rudy Gobert. Et pour entrer en zone B, il est toujours à 3 points, il travaille. Il prend le shoot à 3 points en zone A, c'est dedans. Mais malheureusement, il y avait une faute sur l'écran de Rudy Gobert. Le panier ne sera pas accordé. Oui, c'est dommage, cette faute de Gobert. Attention aussi, Gobert qui fait quand même souvent des fautes un peu dommage. Ça nous prive 3 points. Mais c'est pas grave, la France qui mène toujours 7-0 à 6 minutes 5 de la fin du premier carton. Et oui, défensivement pour l'instant c'est intéressant pour la France. Maintenant c'est Haussmann qui ressort en zone D. Il va trouver Tounser qui va trouver maintenant l'arrière turc bien défendu par Korkmaz qui va essayer de rentrer en zone C qui ressort. Et on retrouve Korkmaz à 3 points, il reste 2 secondes pour les Turcs. Le Sengun qui tire sur la tête de Gobert, ça rentre, très beau shoot du pivot turc, ça fait 7-2. Oui, shoot de Sengun au buzzer qui ouvre enfin le compteur pour la Turquie avec NBC maintenant. Et Fournier en zone B, qui cherche un partenaire, toujours à l'extérieur, qui est intercepté, non faute, faute de la Turquie, sur Evan Fournier. Et oui, une deuxième faute d'équipe pour la Turquie. On sait que ça avait été aussi un peu le problème de l'équipe de France sur son dernier match. De nombreuses fautes d'équipe qui avaient donné beaucoup de lancers francs à la Slovénie en fin de match. Il va falloir essayer de limiter ça. Et c'est Albici qui va retrouver Yabusele pour la remise en jeu. En zone A, Fournier qui profite de l'écran de Gobert. Qui va essayer de retrouver Gobert. Et au final, c'est Yabusele qui est trouvé dans la raquette. Le dunk de Yabusele, ça fait 9-2 pour l'équipe de France. Oui, très beau dunk de Yabusele qui était seul dans la raquette. Il a pu mettre 2 points de plus pour la France. 9-2 avec maintenant Korkmaz en zone C qui passe à Sengun en zone D, toujours à l'extérieur. Korkmaz est retrouvé maintenant. Non, il n'y a pas de faute. S'il y a faute de Fournier sur Korkmaz. Deuxième faute de la France. Et ça va donner une nouvelle possession à la Turquie avec 14 secondes à jouer alors qu'on revoit l'action. Une super passe d'Evan Fournier qui pour l'instant, sur ce début de match, il sert très bien ses deux pivots. On a vu qu'il a réussi à trouver plusieurs fois Yabusele, quelques fois Gobert. Il profite des écrans de Gobert. On sent que cette relation entre Fournier et les deux pivots est très intéressante et fait du mal à la Turquie, alors que ce Rudy Gobert va laisser sa place à Mustapha Fall. Oui, la Turquie qui relance le ballon en zone C. Pour Senli à l'extérieur, qui est défendu par Yabusele, qui trouve Sengun dans la raquette, c'est une faute. Faute de Fournier sur l'interception. Et oui, ça va donner encore une possession à la Turquie. Alors qu'on a vu là l'entrée de Mustapha Fall. Rudy Gobert qui a déjà une ou deux fautes, donc il faut le ménager pour pouvoir s'en servir jusqu'à la fin du match. Et c'est la remise en jeu pour la Turquie avec Sengun à l'extérieur qui va trouver Senli, défendu par Albici, qui trouve Korkmaz, qui trouve à l'intérieur le pivot qui rate. Et c'est rebond encore une fois pour la Turquie, encore un rebond offensif pour la Turquie. Et c'est encore raté, ça se bat au rebond. Ah oui, ça se bat, et là. C'est Mustapha Fall qui va pouvoir relancer avec Evan Fournier. Evan Fournier en zone A qui accélère, qui rentre dans la raquette tout seul, qui passe à Fall, intercepté par la Turquie avec Haussmann maintenant qui récupère, qui passe en zone C, la contre-attaque avec Sengun dans la raquette, c'est 2 points de plus pour la Turquie. Une perte de balle encore une fois, on voit Mustapha Fall qui montait au lay-up mais malheureusement il a perdu ce ballon et ça donne 2 points faciles à la Turquie, il s'est relancé avec Terry Tarpe. Mustapha Fall en zone A qui va essayer de trouver le mouvement de ses coéquipiers, il va trouver Evan Fournier en zone A. Qui calme le jeu, Evan Fournier, qui prend son temps, du logo, qui profite de l'écran de Mustapha Fall pour entrer en zone B, qui retrouve Mustapha Fall sur le pick and roll. Ça sera une faute contre la Turquie, une faute sur Mustapha Fall de Sengun. Troisième faute de la Turquie, première faute personnelle de Sengun, qui n'en revient pas, qui était un peu étonné de cette faute, mais il y a bien faute sur Mustapha Fall. Ça va redonner la possession à la France. La France qui mène toujours 9-4, à 4 minutes 5 de la fin, alors que Senli sort, pivot de la Turquie. Et Thomas Hurtel rentre pour la France. Et Thomas Hurtel, auteur de nombreuses passes décisives, notamment sur le dernier match où il a passé la barre des 10 passes décisives contre la Slovénie. Il va trouver Terry Tarpe en zone A, qui retrouve Thomas Hurtel, son meneur, qui va attendre l'écran de Mustapha Fall, toujours en zone A, encore une fois une pick and roll, qui retrouve Mustapha Fall dans la raquette, qui termine, très bien joué encore une fois, par Mustapha Fall, ça fait 11-4. La Turquie qui relance, avec Osmani
en zone C. Maintenant, Korkmaz, toujours en zone C, bien défendu à l'extérieur avec voilà, perte de balle, l'interception de Yabouzé, les Fournier qui passent à Hurtel tout seul pour finir à 2 points pour la France. 2 points de plus pour la France. Temps mort demandé par la Turquie. Et oui, encore 2 points faciles pour l'équipe de France sur cette perte de balle de la Turquie. Ça fait 13-14 alors qu'il nous reste 3 minutes 28 et que la Turquie est obligée de poser son premier temps mort. On voit qu'ils ont du mal en attaque. La défense de Bleu est très solide. Seulement 4 points pour la Turquie en 6 minutes 30, c'est très très faible. Alors que la France est à 13 points, c'est plutôt pas mal. Ils ont bien trouvé leurs intérieurs, qui a permis de mettre des points faciles. 2-3 points en contre-attaque aussi, qui permet d'avoir déjà une belle avance qu'il va falloir maintenant perdurer. Oui, la France qui a bien débuté ce match. Enfin, pour une fois que la France débute bien ce match, c'était compliqué ces derniers matchs, mais là ça va mieux. Donc à confirmer maintenant sur cette fin de premier quart-temps. La Turquie par contre n'arrive pas à scorer, c'est surtout bien défendu par la France. Et aussi la France limite les paires de balles pour l'instant en ce début de match. C'est quelque chose à améliorer et ils y arrivent bien pour l'instant. Et oui, on en avait parlé du retour d'Yabusele qui est déjà à 5 points dès ce début de match. Il fait du bien, on sait qu'il avait manqué contre la Slovénie. Il a mis un 3 points dès l'entrée de match, ensuite un petit dunk qui font du bien à cette équipe de France. Même si Amatemba l'avait bien remplacé sur le dernier match, on sait qu'Yabusele est quand même un joueur primordial de cette équipe de France depuis le début de l'Euro. Ah oui, il est vraiment monté en puissance sur l'Euro, mais aussi sur les qualifs pour la Coupe du Monde juste avant cet Euro. Il a été très important et là aujourd'hui il est sur le terrain parce qu'il était incertain. Mais il est bien là aujourd'hui et ça fait du bien là, alors que le jeu reprend possession pour la Turquie en zone B. Avec un nouvel entrant, c'est Seybir qui est rentré. Il est maintenant en zone D. Il passe à Korkmaz, non, une faute offensive a été sifflée. Oui, il n'en revient pas le coach turc. Il n'en revient pas, il est très agacé contre cet arbitrage. C'est vrai que la faute semblait plutôt légère, mais on la prend volontiers cette faute. Ça permet à la France de récupérer le ballon. On a vu que Timothée Luawo-Cabarro a fait son entrée à la place de Terry Tarpey. Et ce qui nous fait, on le voit là, notamment Timothée Luawo-Cabarro qui va trouver Yabusele en zone A, qui trouve Mustapha Fall dans la raquette. Et c'est encore une faute offensive sifflée, cette fois-ci contre l'équipe de France. Dans les deux sens, du coup, cette faute offensive. Et la faute de Mustapha Fall qui est déjà sa deuxième faute. Attention, nos deux pivots, Gobert et Foll, sont déjà à 2 fautes. Attention pour la suite du match. On est qu'au premier quart-temps, donc il faut régler ça. Là, le jeu repart avec Heizer en zone D, qui est défendu par Hurtel, qui passe à Sengun à l'extérieur. Korkmaz maintenant, défendu par Fournier en zone D, qui va rentrer dans la peinture. Non, qui passe à l'extérieur pour Heizer, qui rentre dans la raquette, qui repasse à Sengun et le dunk de Sengun. 2 points de plus pour la Turquie. La première très belle action de la Turquie, qui a réussi à se trouver, à décaler sur le côté pour trouver leur pivot Sengun dans la raquette. Hurtel qui a perdu la balle, qui est maintenant Heizer, et la contre-attaque, le lay-up de Haussmann tout seul pour finir. Attention, là c'est perte de balle encore une fois, avec Hurtel maintenant qui relance la France en zone A du logo, qui mange un peu le chrono, qui passe à Luawo-Cabarro, Mustapha Fall dans la raquette, qui va jouer de son physique. Non, Yabouzé à l'extérieur qui repasse à Fall, qui est bien défendu, mais c'est quand même un 2 points pour Fall. Très beau mouvement des Bleus. Ouais, on voit qu'il fait du bien aussi dans la raquette, Mustapha Fall, qui est déjà à 4 points. Et c'est relancé par Semus Azer, le nouvel entrant de la Turquie. Korkmaz qui profite de l'écran, qui va trouver Sengun dans la raquette. Et non, finalement, il écarte sur Haussmann en zone C dans le corner. C'est raté, le airball et le rebond pour Thomas Hurtel. Hurtel qui relance vite sur Fournier à 3 points, qui rentre dans la raquette tout seul. Là, il y a le lay-up magnifique, 2 points de plus avec la faute. Ah, très beau drive d'Evan Fournier sur cette passe de Thomas Hurtel en attaque rapide. Il va aller gagner la faute de Sengun, il me semble, pourquoi pas aller tenter ce 2-1 qui permettra à la France de prendre 10 points d'avance. On est à 17-8 pour l'équipe de France à quelques minutes de la fin du premier quart-temps. La France qui étouffe son adversaire là, même si on a vu une petite perte de balle de Hurtel. Donc à corriger encore une fois ces pertes de balles, et le lancer franc est mis pour Fournier. Ballon pour la Turquie, relancé par Heizer en zone B. Il reste 1 minute 50. Heizer qui est défendu haut par Hurtel, mais qui arrive dans le camp français, en zone C maintenant, qui trouve Korkmaz près de la ligne de touche, qui passe à Sengun près de la raquette, qui va rentrer face à Fall, qui joue de son physique, qui tire à 2 points, c'est raté, rebond Fournier qui repart en zone A
Fournier toujours, qui va rentrer dans la raquette. Il a un flotteur raté, rebond pour la Turquie. Oui, un peu trop facile, Evan Fournier là-dessus, qui va permettre à Semmous Heizer de repartir en zone D, qui va prendre l'écran de Sengun, qui va se protéger face à Fournier, qui prend le 3 points. Semmous Heizer à 3 points, c'est raté, rebond Mustapha Fall. Oui, il a tenté un step back Heizer, mais il a raté, rebond pour Hurtel maintenant, qui a la balle en main. Il reste une minute avant la fin de ce premier quart-temps. Hurtel qui va rentrer dans la quête, non, qui perd la balle, c'est un pied de la Turquie. Ballon va être remis en jeu pour la France. Et il va avoir 14 secondes l'équipe de France alors qu'il reste 58 secondes. Et en Turquie, c'est Sadik Emir Kabaka, l'ailier fort de Galatasaray, qui fait son entrée à la place du pivot Sengun. Oui, on l'a pas beaucoup vu Sengun, il est à seulement 2 ou 4 points alors qu'on sait que depuis le début de l'Euro, il était presque à 20 points de moyenne. C'est maintenant Thomas Hurtel qui va rentrer en zone A sur l'écran. Mustapha Fall qui retrouve son pivot, qui va écarter jusqu'à Luau Cabarro en zone B. Il faut shooter, il reste 3 secondes. Aïe, aïe, aïe. Il rentre dans la raquette, c'est perdu. Et c'est un marché. Marché sifflé contre Timothée Luau Cabarro. Oui, c'est dommage là. Mais bon, il fallait agir vite. Il restait 3 secondes de possession. Il a fait un marché, c'est pas grave. La France mène toujours 18 à 8 à 46 secondes de la fin. Avec maintenant Korkmaz qui relance en zone B, qui va aller en zone C. Toujours défendu par Hurtel. Il trouve maintenant Osman. À 3 points, il shoot à 3 points, c'est encore raté. La Turquie qui n'arrive pas, mais le rebond est maintenant pour la Turquie avec Korkmaz à 3 points. C'est dedans cette fois-ci, le premier 3 points pour la Turquie. Ah oui, si on leur laisse des shoots, ça fait plusieurs fois qu'ils prennent le rebond offensif. Et ça leur donne des munitions aux Turcs qui reviennent à 11-18. Thomas Hurtel, il reste 17 secondes. Thomas Hurtel en zone A qui prend à 3 points le shoot. C'est raté par Thomas Hurtel, rebond Korkmaz. La Turquie va avoir cette dernière possession, il reste 9 secondes. Korkmaz qui est en zone C, défendu par Luau Cabarro, qui passe à le nouvel entrant qui shoot à 3 points. C'est largement raté. Rebond pour la France qui shoot au buzzer et c'est largement raté. C'est terminé. 18-11 à la fin de ce premier quart-temps. Alors que là, on a vu, c'était Amat Mbaye qui est rentré en fin de quart-temps avec Eli Okobo. Un premier quart-temps intéressant pour l'équipe de France. On sait qu'ils avaient fait un trou dès le début. Sur cette fin de quart-temps, 2-3 rebonds offensifs ont permis à la Turquie de recoller à moins 7. Mais c'est intéressant pour la suite. Il va falloir maintenant poursuivre en défense comme ils l'ont fait, en musant très bien cette attaque turque et notamment le pivot Alperen Sengun qui a eu un rendement moins efficace que sur le dernier match. Et il va falloir continuer sur cette voie pour la défense de l'équipe de France. Oui, Sengun qui est surtout bien défendu par les intérieurs français. Il n'a mis que 4 points en ce début de match. Et sachant que Yabouzélé est à 5 points pour le meilleur scoreur de la France. La France qui défend bien, mais qui attaque bien aussi. Ils n'ont pas fait trop de pertes de balles. C'est encourageant pour la suite. Et la Turquie qui a du mal à scorer, même si ça a été, il y a eu du mieux en cette fin de quart-temps. Mais la France est bien dans son match. Ça prévoit de bonnes choses pour la suite. Oui, rien n'est joué. C'est vrai que c'est un premier quart-temps avec pas beaucoup de points. 18-11, c'est pas un score très élevé. Mais on a vu que les défenses ont pris le pas sur les attaques. On revoit un peu quelques très très beaux quelques highlights de ce premier quart-temps avec notamment les pénétrations encore une fois de notre numéro 10 Evan Fournier qui fait un premier quart-temps comme on l'attend, ambitieux offensivement. Il prend ses shoots, il donne des bons ballons au pivot et il fait du bien à l'attaque de l'équipe de France. Ah oui, très beau quart-temps de Fournier, très correct, qui peut encore scorer davantage je pense s'il se met encore plus dedans, alors que là le jeu va bientôt reprendre avec le ballon pour la Turquie. Et un nouvel entrant, c'est Mamutoglu, le capitaine de cette équipe, qui est entré en jeu. Mbaye aussi est revenu sur le parquet, côté français. Et on a vu aussi l'entrée d'Eli Okobo, qui avait fait un très bon match contre la Slovénie, avec 11 points à 3 sur 3 à 3 points. On espère qu'aujourd'hui, il soit aussi clinique derrière la ligne à 3 points. C'est la remise en jeu de Mamutoglu, qui va trouver Semmous Heizer en zone C, qui est défendu par Thomas Hurtel, qui prend son temps toujours en zone C, qui va retrouver Mamutoglu, qui rentre dans la raquette, qui ressort sur son pivot. Et le pivot qui va trouver Korkmaz, toujours en zone C, à 3 points. Il prend le shoot, il est très loin, Korkmaz, et c'est raté. Rebond Rudy Gobert. Rudy Gobert qui est revenu sur le parquet avec maintenant Luau Cabarro. Non, c'est Okobo qui relance la France avec maintenant Luau Cabarro. Avec Gobert qui retrouve Hurtel du logo. Il reste 10 secondes, il faut faire quelque chose là.
Hurtel qui shoot, non, à 2 points, non, avec Mbaye. Okoboro à 3 points, c'est dedans, magnifique, il était bien défendu, mais il arrive à mettre ce 3 points. Et oui, ça va lui faire du bien à Timothée Okoboro qui a eu un point, un début d'Euro compliqué offensivement, compliqué au shoot. Et là, sur son premier shoot à 3 points, c'est dedans, ça va lui faire du bien. Hazer en zone C qui va trouver Korkmaz à 3 points, qui pénètre, qui ressort sur son pivot à 3 points. C'est raté, encore une fois, rebond Thomas Hurtel. Thomas Hurtel qui relance la France, qui retrouve Okoboro, qui rentre dans la raquette, qui trouve Gobert sous le panier. Il y a une faute sur Gobert. De lancer franc pour la France. Et oui, cette transition rapide qui fait du mal avec Timothy Luwawu-Cabarro qui a réussi à trouver très rapidement Gobert dans la raquette. Ils étaient un petit peu perdus, les défenseurs turcs, et ça va donner 2 points de lancer franc à Rudy Gobert pour augmenter l'avance de l'équipe de France. On est à 21-11 à 8 minutes 55 de la fin du deuxième quart-temps. Oui, là, une très belle contre-attaque de la France. Les défenseurs turcs étaient un peu à la rue sur cette action. Et Ousmane a fait faute sur Gobert à la première... La première faute équipe de la Turquie dans ce carton. Alors que la Gobert va tirer son premier lancer franc. Et oui, pour rester, il est à 100% pour l'instant, Rudy Gobert, lancer franc. Il a mis ses deux premiers. Oh, il et il ne sera plus à 100%. Ça fait 2 sur 3 pour au lancer franc sur Gobert. Et il va lui en rester un deuxième pour permettre à la France de passer à 22 points. Oui, Gobert qui avait fait un très bon match face à la Slovénie. À 19 points, 8 rebonds et un magnifique poster sur Luka Doncic, vraiment qui est entré dans la légende. Magnifique dunk sur la tête de Doncic. C'est vrai qu'il nous a fait vibrer ce dunk. Et c'est maintenant B-Team qui repart en contre-attaque avec Hazer, défendu par Luwawu-Cabarro en zone D. Il va provoquer, il est toujours derrière la ligne à 3 points, toujours en zone D. Hazer qui profite de l'écran, de son pivot, qui va essayer de pénétrer face à Rudy Gobert. Et finalement, ça sera une faute sifflée contre l'équipe de France. Sifflé contre Eli Okobo. Oui, Okobo qui est un peu choqué de cette faute, mais il y a bien faute de la France. La Turquie pourra se relancer sous le panier. Avec là, on voit Seybir qui est rentré à la place de Osmani côté turc. Et c'est Hazer qui va relancer la Turquie. Il reste 14 secondes de possession. Il trouve Senli dans la raquette tout seul, 2 points pour la Turquie. Ah là là, c'est pas normal ça, sur une simple remise en jeu qu'on arrive à trouver Senli tout seul dans la raquette qui peut finir facilement. C'est maintenant Eli Okobo qui repart en contre-attaque dans la zone B, qui va trouver Okoboro dans la zone A, qui trouve c'est Thomas Hurtel qui pris profit de l'écran à 3 points en zone A. Thomas Hurtel, oh c'est oui. Dedans, quel shoot, quel magnifique shoot, quel de Thomas shoot. Hurtel. À 2 mètres derrière la ligne, là, il trouve un magnifique 3 points ficelle, 5 points pour Hurtel dans ce match, avec maintenant la Turquie qui relance en zone D, avec Hazer, défendu par Okoboro, qui trouve B-Team qui rentre en zone B, non. C'est Senli maintenant qui shoot à 2 points, c'est dedans. Et oui, deux shoots de suite pour le pivot turc Senli. 2 sur 2, il permet à la Turquie de revenir à 10 points de l'équipe de France. Thomas Hurtel en zone A, qui va essayer de trouver Rudy Gobert, qui trouve finalement Amat Mbaye, qui pénètre dans la raquette. Amat Mbaye qui prend le shoot, c'est dedans. Et très bon drive de Amat Mbaye. Alors que l'arbitre va siffler une faute, on dirait. Oui, Gobert. Ah, c'était une belle action d'Amat Mbaye. Gobert qui parle avec l'arbitre calmement, mais... Le panier est accordé. Bon, ça va, alors le panier est accordé pour la France, tant mieux. Parce qu'il n'y avait pas grand-chose sur le rebond, non, pas de faute. Et sûrement, il siffle une faute contre Rudy Gobert. Le panier est accordé quand même, mais il y aura une faute. La deuxième faute d'équipe de la France, et du coup la deuxième faute de Rudy Gobert, qui était obligé encore une fois d'aller s'asseoir sur le banc. Et oui, ça fait déjà 2 fautes pour Rudy. Avec la Turquie qui relance. B-Team en zone A qui remonte en zone D. Défendu par Hurtel, toujours B-Team à l'extérieur. Qui va. Oh, attention, interception. Non, c'est toujours avec Mamutoglu. Qui est intercepté avec Hurtel sous le panier qui va faire un 2 points. Non, c'est raté. Bien défendu par la Turquie. Rebond. Turc. Non, une faute a été sifflée. Faute de Hurtel qui n'en revient pas de cette faute. Qui parle avec... Il parle avec l'arbitre, mais il y a bien faute de Hurtel. Même Vincent Collet avait l'air très surpris de ce coup de sifflet. Alors qu'on a vu là l'entrée de Vincent Poirier pour supplier Rudy Gobert. On sait que Mustapha Fall est déjà à 2 fautes. 2 fautes aussi pour Rudy Gobert. Donc c'est Vincent Poirier qui va prendre le relais. Alors que oui, la faute semblait assez largement pour Thomas Hurtel. On va voir ce que décident les arbitres. Mais il est furieux le meneur d'équipe de France. Oui, je pense qu'il a pris une faute technique de Thomas Hurtel qui a râlé contre les arbitres. Lancé franc raté de la Turquie après cette faute technique. Mais toujours possession pour la Turquie du coup, qui est menée 15 à 27. Oui,
Et on sait qu'on a revu les ralentis. C'est vrai que c'est, il semblait quand même y avoir une très très large faute sur Thomas Hurtel. C'est rien, ça le lancer pas a été été raté sifflé. par les Turcs et ils vont pouvoir relancer avec Heizer qui remonte le terrain, défendu par Lulo Cabarro. Il va falloir qu'il arrive à passer ce milieu de terrain rapidement. Il est en zone D, il pénètre dans la raquette, il trouve à l'opposé, oh, la passe est raté. Trop longue. La passe est trop longue et ça sera un ballon pour l'équipe de France. Oui, très mauvaise passe là de Heizer qui trouve le banc turc au lieu de son coéquipier sur cette action. La France pourra se relancer à 7 minutes 12 de la fin de ce deuxième carton avec Okobo, Hurtel en zone C. Les Turcs émettent la pression sur le terrain, qui trouve quand même Okobo en zone B, qui pénètre dans la raquette, qui passe à Poirier en zone A. Okobo à l'extérieur maintenant, toujours en zone A. Il reste 10 secondes de possession. Il retrouve Poirier dans la raquette, qui va jouer de son corps, qui shoot à deux points, c'est dedans. Et les premiers points pour Vincent Poirier qui est rentré il y a quelques instants, qui montre ce qu'il sait faire sous la raquette, qui termine facilement ce panier. 29-15 pour l'équipe de France qui commence à faire un vrai écart. Et c'est maintenant Seamus Heizer en zone C, défendu par Eli Okobo. Et c'est une faute sifflée contre Eli Okobo. Et c'est. Oh non, ce serait une. Une faute offensive. Une faute offensive. Que s'est-il passé? On n'en a pas bien vu là. Mais une faute offensive de la Turquie qui va redonner le ballon à la France. Avec maintenant du coup Hurtel en zone C qui remonte en zone B, défendu par Mamutoglu. Il trouve maintenant Okobo au logo. Qui va Poirier le aller ou pas raté. Le aller ou raté de Poirier maintenant à la relance turque qui passe en contre-attaque. Et oh le 2 Le contre de Luau Cabarro. Avec Okobo maintenant qui trouve tout seul Poirier, le dunk de Poirier, 2 points pour la France. Oh quelle action on a vu, c'était parti d'un aller ou raté de Vincent Poirier. On a ensuite eu un contre énorme de Luau Cabarro qui a permis de retrouver Poirier qui était, on ne sait pas pourquoi, resté en attaque. Et qui ajoute 2 points à l'équipe de France. C'est Heizer maintenant en zone C qui est défendu par Vincent Poirier, puis par Luau Cabarro. Il est à 3 points, il profite de l'écran de Senli, il va rentrer dans la raquette, il retrouve Senli. Ah là c'est une grosse faute de Vincent Poirier qui va donner 2 lancers au pivot turc. Oui, Senli qui était dans la raquette face à Poirier. Poirier a défendu sur le shoot, mais a fait faute. Là on revoit le magnifique contre de Luau Cabarro qui permet après ensuite à faire à 2 points pour Poirier tout seul sous le panier qui avait anticipé peut-être ce contre, on ne sait pas, qui était resté en tout cas dans la zone turque. Oui, ça va faire 2 lancers pour le pivot turc Senli qui est déjà à 3 fautes. Ça fait beaucoup pour le pivot, il n'a plus le droit à l'erreur sur cette fin de match. Il a mis son premier lancer, France a fait 31-16 pour la France qui a fait un bel écart dans le deuxième quart-temps qui se donne de l'air. Et le deuxième lancer pour Senli. Qui est mis dedans. Et sachant que la France est déjà à 5 fautes d'équipe, alors qu'il reste 5 minutes 52. Donc attention à ne plus faire de fautes. La Turquie n'est qu'à 2 fautes équipe. Senli donc qui va sortir. Senli qui sort donc. Hurtel qui relance la France. Luau Cabarro en zone A. Qui va rentrer. Qui reste à l'extérieur avec Hurtel du logo. Il reste 15 secondes de possession. Il va rentrer dans la raquette tout seul qui passe à Poirier. Non, perte de balle. Mamutoglu qui relance la Turquie en zone C maintenant. Tout seul, Korkmaz à 3 points, c'est dedans, il était tout seul. Attention, mauvais repli défensif de la France là. Aïe aïe aïe, ces pertes de balles qu'on avait parlé en début de match qui coûte 3 points sur cette belle remontée de balles de Mamutoglu qui a réussi à trouver Korkmaz à 3 points. Et Korkmaz, s'il commence à les mettre dedans, ça va être compliqué pour l'équipe de France. On sait que c'est une des forces offensives avec Osman et Sengun. Et on comptait sur Terry Tarpe et Fournier pour les museler. Mais là on a vu que Vincent Collet a fait reposer son 5 de départ sur ce début de deuxième quart-temps. C'est temps mort de l'équipe de France, il reste 5 minutes 32. Ouais, la Korkmaz qui venait de rentrer et qui a mis un shoot à 3 points directement. Donc attention à lui s'il retrouve son shoot. Donc ce fameux trio NBA avec Osman et Sengun. S'il se réveille, ça peut faire mal pour la France, mais qui mène quand même de 11 points à 5 minutes 32 de la fin du deuxième quart-temps. Faut quand même rester concentré pour garder cet écart ou même l'agrandir. Ça serait pas mal pour la France. Oui, il va falloir conserver cet écart au moins jusqu'à la mi-temps. Et on voit que le scoring est assez bien réparti. Les meilleurs coureurs de l'équipe de France sont tous à 5 points avec Yaboussélé, Gobert et Hurtel. On n'a pas un joueur qui sort du lot, mais c'est un collectif qui fonctionne très bien en ce début de match et qui mène de 11 points face à la Turquie alors qu'on revoit le shoot de Korkmaz juste avant ce temps mort. Oui, la France qui a deux stars NBA, on va dire, avec Fournier et Gobert, mais qui a quand même aussi un collectif solide, et ça fonctionne pour l'instant. Le jeu relance, est relancé avec Luau Cabarro,
en zone A, défendu par le Turc. Ça sera une balle perdue pour Lovro Cabarro. Touche pour la Turquie. Il réclamait la faute, le numéro 3 de l'équipe de France. Il ne l'aura pas. Et un peu léger sur ce contact. Et ça va permettre à la Turquie de repartir avec Korkmaz pour la remise en jeu. Et oui, encore une balle perdue. Il va pas falloir commencer à la multiplier parce qu'on sait que Vincent Collet en avait parlé aussi. Il faut les éviter parce que ça donne à chaque fois des munitions à l'équipe adverse. Et c'est Korkmaz qui remonte le terrain en zone C. Korkmaz défendu par Yokobo qui va trouver son pivot. Osman dos au panier face à Loué Okabor. Il va travailler. Osman dans la raquette qui prend un petit shoot. C'est raté. Rebond encore une fois pour la Turquie. Et ça sera une balle rendue à l'équipe de France finalement. Oui, Osman était bien défendu et il a perdu ce ballon. En dessous du panier, ça va permettre à la France de respirer un peu, de récupérer ce ballon. Mbaye qui sort du terrain. Avec maintenant Hurtel en zone D pour relancer la France, défendu par Osman. Il remonte au logo maintenant. Il va essayer de trouver un partenaire. Non, il va en zone B. Il trouve Yabouzélé qui vient de rentrer. Poirier dans la raquette, qui est tout seul et qui shoot à deux points. C'est dedans. Il était défendu par trois Turcs, mais il a réussi à se défaire et à marquer. Très bonne rentrée de Vincent Poirier qui est déjà à 6 points, qui devient du coup le meilleur marqueur de l'équipe de France alors qu'il a joué seulement 2 minutes. Et Korkmaz qui relance en zone C. Korkmaz qui va trouver Sidi Osman, le joueur de Cleveland, et ce sera une faute sifflée. Oh, le coach turc est furieux encore une fois. On sait qu'il est souvent en feu ce coach, il a beaucoup râlé sur les phases de poule. C'est un peu, on voyait ça en début de match, l'inverse de Vincent Collet. Le feu et la glace, on pourrait dire, avec un coach turc qui est bouillant sur son côté et qui a pris une faute technique. Ergin Ataman, le coach turc, qui prend une faute technique pour avoir râlé une fois contre les arbitres. Et ça fera un shoot, un lancer franc gratuit pour Timothée Luo Cabarro. Ouais, le sélectionneur turc qui était rentré sur le terrain, là, il s'était énervé face aux arbitres et donc il a obtenu une faute technique. Et Luo Cabarro a mis son lancer franc. La France va donc aussi récupérer la possession. 34 à 20 pour l'équipe de France à 4 minutes 36 de la fin du quart-temps. Et c'est Sidi Osman qui va pouvoir relancer avec Korkmaz et Mahmout Oglou en zone D qui retrouve Osman. Peut-être un bon contact de Luo Cabarro, mais rien n'est sifflé. Qui retrouve Mahmout Oglou très loin à 3 points. C'est raté. Le rebond, Timothée Luo Cabarro. Hurtel pour relancer la France en zone B. Toujours en zone B, il calme un peu le jeu. Il essaie de trouver un partenaire, il se retourne. Toujours en zone B, il accélère, fin de shoot, il trouve Yabouzélé à 3 points, donc il shoot pas avec Okobo maintenant. Poirier tout seul sur la ligne des lancers francs, il shoot, non c'est raté, rebond pour Osman. Et le premier shoot raté par Vincent Poirier dans ce deuxième quart-temps, c'est Osman qui remonte le ballon en zone D, qui va pénétrer très rapidement. Une faute sifflée au début de l'action de Timothée Luo Cabarro sur Sidi Osman, on l'a vu très rapide dans sa remontée de balle. Et ça sera finalement la faute sifflée contre Yabouzélé, sa première faute personnelle, il est un peu, oui, il est surpris. C'est vrai que moi aussi je pensais que cette faute était de Luo Cabarro, mais les arbitres l'ont attribué à Yabouzélé. Ça va donner deux lancers francs pour Sidi Osman, vu que la France est déjà à 5 fautes. Donc attention à ne pas multiplier ses fautes sur cette fin de quart-temps pour donner des lancers francs gratuits pour la Turquie. Oui, on a parlé, oui, c'est problèmes de fautes qui sont récurrents chez l'équipe de France. Et Osman qui met le premier lancer franc, 34 à 21. Osman qui est à 3 points, peut-être 4 après ce lancer franc. Voilà, qui est pas très. On l'a pas beaucoup vu pour l'instant, donc attention s'il se réveille maintenant ou en deuxième mi-temps. Et son deuxième lancer franc, c'est rentré. Quatrième point pour Sidi Osman et ça fait 34 à 22. Remise en jeu de Vincent Poirier, finalement Thomas Hurtel qui va effectuer cette remise en jeu. Vincent Poirier qui va tranquillement remonter sur le terrain pour aller se placer directement dans la défense turque. Et c'est Evan Fournier qui est re-rentré. Qui est la star de l'équipe de France et on a remis un petit peu le 5 majeur là. Evan Fournier qui trouve Vincent Poirier dos au panier, il est très loin Vincent Poirier à 3 points, il va trouver Thomas Hurtel en zone B. Thomas Hurtel, il reste seulement 10 secondes sur la possession et il calme un petit peu le jeu, il va falloir maintenant trouver une solution rapide. Vincent Poirier trouvé dans la raquette, Vincent Poirier qui travaille, le shoot très compliqué main gauche, c'est raté et c'est rebond pour la Turquie alors qu'une faute est sifflée contre Sidi Osman, les joueurs turcs sont furieux. Ah oui, une faute sur le rebond de Osman, il n'en revient pas Osman. Il y a eu un contact dans la raquette qui redonne le ballon à la France. De nouvelles 14 secondes de possession pour la France. Ça va faire du bien. Ah oui, le coach turc qui rit jaune encore. Il est un petit peu ulcéré par cet arbitrage depuis le début de match. Alors que j'ai l'impression qu'ils ont encore pris une faute technique les Turcs.
car Thomas Hurtel va avoir un lancer franc. C'est déjà la deuxième pour la Turquie. Ça fait beaucoup. Il va falloir qu'ils arrivent à maîtriser leurs nerfs, les Turcs. Parce que Thomas Hurtel sanctionne directement et il met son lancer franc. Ça fait 35 à 22. C'était Sidi Osman qui avait pris cette faute technique. Sûrement pour contestation contre l'arbitre. Oui, il s'est énervé contre les arbitres. Les Turcs sont très tendus en ce début de match. On le voit à travers le coach et ici Osman. Attention à ne pas répéter ça pour la Turquie, à se calmer surtout. Oui, on voit qu'ils ont du mal à maîtriser leurs nerfs. Ils sont sûrement aussi frustrés de ce début de match où ils n'arrivent pas à mettre des paniers, seulement 22 points. Alors que c'est encore une perte de balle pour l'équipe de France qui va permettre à Korkmaz de repartir en attaque. Korkmaz qui va conclure. Et non, il le rate. C'est Osman au rebond, faute de Timothy Lewawu Kabaro. Et encore, ça fera deux lancers pour Sidi Osman. Oui, Korkmaz qui était seul au panier mais qui rate un 2 points facile. Mais Osman a récupéré la faute. Faute donc de Lewawu Kabaro. À 3 minutes 25 de la fin de ce carton, 35 à 22 pour la France. Et oui, on voit le coach turc qui arrive toujours à, même quand la faute est sifflée pour eux, il arrive toujours à discuter avec monsieur l'arbitre. Osman qui va encore une fois sur la ligne des lancers francs, il pourra mettre ses 5e et 6e points s'il est efficace au lancer. Il va tenter le premier. C'est marqué pour Sidi Osman, 35 à 23. Sidi Osman qui évolue donc au CAV de Cleveland. Il a 27 ans et il tourne à 16 points par match en ce début d'Euro. Donc, belle performance pour l'instant de Osman dans ce début d'Euro. Ouais, même si on voit qu'il est plutôt bien muselé depuis ce début de match, il va mettre le deuxième lancer franc, ce qui fait remonter la Turquie à 23 points, alors que Andrew Albici est rentré à la place de Thomas Hurtel. Et c'est lui qui remonte le ballon, Andrew. Dans la zone A, qui va trouver Yabusele. Attention, zone B, le ballon est maîtrisé par l'équipe de France. Lewawu Kabaro qui rentre en zone A. Il est derrière la ligne à 3 points, il va essayer de pénétrer. Il ressort sur Andrew Albici, qui va trouver Yabusele, qui reste seulement 4 secondes. Yabusele qui va essayer, il est très loin, il est à 6 mètres. Oui. Et il le met, quel magnifique shoot de Gershon Yabusele. Magnifique, 37 à 24 pour l'équipe de France. Ah oui, il était bien défendu, il n'y avait plus de temps sur la possession. Et là, il trouve un shoot très fermé en zone B, et il arrive à le mettre. Là maintenant, Korkmaz, Osman en zone C pour la Turquie. Osman à 3 points, il est tout seul, il shoot. C'est raté, rebond pour Gobert. Maintenant, une faute sur Gobert au rebond. Faute de Seybir. Et oui, c'est une faute qui va donner des lancers. C'est la 5e faute d'équipe de la Turquie. On va pouvoir retrouver du coup Rudy Gobert sur la ligne des lancers francs. Alors qu'on peut revoir ce shoot de Yabusele, magnifique. Il est en arrière, il reste seulement 2 secondes. Il est vraiment collé à la ligne de fond sur la zone B. Et il va mettre ce point, il va mettre ses 7e point, Gershon Yabusele, pour faire encore plus mal à l'équipe de Turquie. Ah oui, là, il les a écœurés sur cette action. On a vu la tête dépitée de Senli avec Gobert qui va tirer son premier lancer franc. C'est dedans. Avec l'aide de l'arceau, un petit peu court, mais ça rentre. Alors que maintenant, on sait que les deux équipes sont dans le bonus. Chaque faute donnera des lancers francs à l'équipe adverse. À 2 minutes 40 de la fin de ce second carton. Il faut faire attention à ses fautes. Et Gobert qui rate le deuxième lancer franc, rebond pour Osman, qui va relancer la Turquie en zone B, qui passe à Korkmaz en zone D, défendu par Fournier. Sengun qui est revenu en zone C maintenant, qui retrouve Osman toujours à l'extérieur, qui va passer à son Turc à 3 points, et c'est dedans. C'est dedans, 3 points pour la Turquie. 3 points de Tunçer. Maintenant Albici qui relance. Albici en zone B. Il va trouver Van Fournier en zone A. Qui cherche Rudy Gobert, c'est vraiment Yabusele qui est servi dans la raquette. Yabusele qui impose sa puissance et qui va marquer 2 points. Encore une fois, Gershon Yabusele, l'importance du numéro 7 de l'équipe de France. Yabusele qui est déjà à 9 points dans ce match. Avec maintenant Sengun qui relance la Turquie en zone C. Qui trouve Tunçer à 3 points. Qui le tente et c'est encore dedans, mais il est en feu Tunçer. Deuxième 3 points d'affilée pour lui. Très beau shoot, très beau step back. Il était en zone C assez loin, 3 points. Il permet à la Turquie de revenir à 10 points, 40 à 30, alors qu'il reste 1 minute 30 à jouer. C'est Van Fournier qui est en zone A. 14 secondes à jouer sur la possession. Il va attendre sûrement l'écran de Rudy Gobert. Rudy Gobert qui est trouvé maintenant. Et non, c'est Yabusele qui est ressorti à 3 points. C'est raté pour le numéro 7 de l'équipe de France. Rebond pour la Turquie. Un nouveau rebond pour la Turquie et Osman. Osman qui a maintenant le ballon en zone C. Défendu par Fournier qui glisse un peu, mais Osman qui shoot à 3 points, c'est dedans encore, attention à la France là, 3ème 3 points d'affilée pour la Turquie, oui Vincent Collet prend un temps mort, la Turquie qui revient à 7 points à 1 minute 09 de la fin du second quart-temps.
Attention quand même là. Aïe aïe aïe, ils ont fait un beau run là, les Turcs. On sait que la France était avec 15 points d'avance il y a quelques secondes, il n'y en a plus que 7 désormais sur ce magnifique shoot de Sidi Osman. On l'a dit, c'est un très bon joueur. S'il commence à se réveiller, ça peut faire mal pour l'équipe de France. Il va falloir réussir à le défendre. On a vu que Terry Tarpey était sur le banc sur tout le long de ce second carton. Je pense qu'il pourrait faire du bien en défense face à Sidi Osman. Sûrement que Vincent Collet veut l'économiser pour cette fin de match et cette deuxième mi-temps. Oui, Tarpey est très important en défense pour la France, qui intercepte aussi beaucoup de ballons. Donc là, ça serait bien de le remettre sur le terrain pour cette dernière minute. À voir ce que Vincent Collet va faire, qui a pris donc un temps mort. Mais là, Osman qui se réveille, c'est pas très bon pour la France. Il se réveille, qui vient de mettre un 3 points. Aussi Tounser qui a enchaîné 2-3 points. Attention donc à la France pour cette fin de quart-temps. Il va falloir être plus vigilant en défense. Il va nous rester une minute dans cette deuxième mi-temps. On voit que la France a 7 points d'avance. Ça serait bien de partir à la mi-temps avec 10 points d'avance. Ça permettrait à repartir au troisième quart-temps avec l'esprit plus léger et un peu moins de pression, alors qu'on revoit les shoots de Sidi Osman qui les prend très vite en sortie d'écran et qui est clinique sur cette fin de quart-temps. Oui, attention à la France de ne pas s'endormir pour toujours garder cet avantage alors que le jeu va reprendre. Osman donc à 9 points dans ce début de match. Et les Turcs sont en feu là dans les tribunes. Le jeu reprend avec Luau Cabarro en zone B. Les Turcs qui mettent beaucoup de pression là-haut sur le porteur de balle. Luau Cabarro sur le logo maintenant. Fournier en zone A qui va trouver Yabouzélé dans la raquette. Qui pénètre dans la raquette. Il va essayer de shooter à 2 points. Non, il perd la balle, contré par les Turcs. Rebond pour Sengun. Il y a encore une perte de balle qui va donner une nouvelle possession à l'équipe de Turquie. C'est Tounser qui va remonter ce ballon, qui profite de l'écran. Tounser qui pénètre dans la raquette, qui va finir. C'est dedans. Ah oui, deux seul. Points de plus pour la Turquie. 40-35. Attention, attention l'équipe de France. Attention, là il reste 25 secondes. Ça va être sans doute la dernière possession avec Hurtel maintenant. Qui calme un peu le jeu. Voilà, qui mange un peu de temps. Il est au logo. Il va pénétrer en zone B. Qui trouve Gobert dans la raquette seul. C'est dedans avec la faute, oui. Ça c'est bien, bien joué de l'équipe de France. 2 points pour Gobert avec la faute en plus. Il fait du bien ce panier à 13 secondes de la mi-temps. On la connaît cette relation entre Thomas Hurtel. On avait pu la voir notamment contre la Slovénie. Et voilà, une fois il arrive à trouver Gobert qui avait bien coupé dans la raquette. Ça va donner 2 points plus un lancer franc pour Rudy qui pourrait permettre à l'équipe de France de prendre 8 points d'avance. Oui, nouvelle passe décisive d'Hurtel qui en avait mis 10 contre la Slovénie au match d'avant. C'était plus arrivé pour l'équipe de France depuis 2009 et dans un Eurobasket, et c'était Tony Parker qui avait mis plus de 10 passes décisives. Et oui, et donc on va avoir le droit au lancer de Rudy Gobert. C'est marqué par Rudy Gobert qui fait une première mi-temps très intéressante au lancer. Ça fait 43-35 pour l'équipe de France. Il va rester 13 secondes pour la Turquie avec Semus Eizer qui est re-rentré. À la place d'Osmani donc, qui sort. La Turquie va se relancer à 13 secondes de la fin. On a Korkmaz en zone B. Qui est bien. Les Français mettent la pression, mais Korkmaz quand même pénètre dans la raquette. Qui passe à Sengun. Toujours Korkmaz à 2 points, non, qui rate. C'est balayé. Fournier qui a le ballon. Fin de ce deuxième quart-temps. 43-35 pour la France. On a eu chaud à cette fin de quart-temps, mais la France a su relever la tête et a gardé cet avantage. Oui, on a vu que. Le début du deuxième quart-temps était très intéressant pour l'équipe de France. Les deux quart-temps se ressemblent un petit peu, je trouve. On avait bien démarré les deux quart-temps et en fin de quart-temps, on voit que la Turquie arrive à revenir. On tourne quand même à la mi-temps avec 8 points d'avance, ce qui est quand même bien. Il va falloir maintenir cette avance en deuxième mi-temps. Oui, 8 points d'avance pour la France. Un peu dommage vu qu'on avait tourné à 15 points d'avance à un moment. Les Turcs se sont réveillés avec surtout Tounser et Osman à 3 points qui ont permis à la Turquie de revenir dans le match, mais la France tourne en tête dans cette mi-temps, à confirmer pour la deuxième mi-temps. Et oui, donc on va vous retrouver au début de deuxième mi-temps. Et voilà, à tout à l'heure. Voilà, on se retrouve pour cette deuxième mi-temps entre la France et la Turquie.
Donc pour vous resituer lors de notre commentaire en audio description, nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune sud, donc un panier à notre gauche et à notre droite. À notre gauche, les zones A et B, et à notre droite, les zones C et D. En bas à gauche, la zone A, au fond à gauche, la zone B. On suit la ligne de touche et au fond à droite, nous avons la zone C. Et enfin, en bas à droite, la zone D. Nous vous indiquerons régulièrement dans quelle zone le ballon se situe. Et voilà, donc les joueurs de l'équipe de France vont être en zone A et B et vont attaquer en zone C et D. Et les Turcs vont être en zone C et D et vont attaquer en zone A et B. Et oui, il va falloir maintenir l'écart pour l'équipe de France. 43-35 à la mi-temps. On a vu que les Turcs ont commencé à se rebeller en fin de mi-temps. Il va falloir très bien débuter le troisième carton. Pourquoi pas faire un gros écart dès le début du troisième carton qui permettrait après de... Peut-être que s'il y a un bel écart à la fin du troisième quart-temps, les Turcs pourraient peut-être lâcher un peu plus. Alors que les joueurs français reviennent sur le terrain. Et les Turcs, ils sont déjà... On rappelle que l'équipe de France est en bleu avec quelques bandes blanches sur les côtés. Alors que la Turquie joue en blanc avec des bandes rouges sur le short et sur le maillot. Et que les arbitres sont toujours en noir et en gris. Oui, attention pour la France, si les gros shooters comme Korkmaz et Osman se réveillent, ça pourrait faire très mal à 3 points. On l'a vu en cette fin de carton, il y a aussi Tounser qui a mis deux jolis 3 points. Donc toujours bien défendre pour la France, toujours limiter ses pertes de balles pour ne pas être dans leur moyenne qui est de 16 ballons perdus par match. Donc essayer de descendre cette moyenne si on veut accrocher cette victoire et rester surtout bien dans ce match. Et oui, c'est Terry Tarpe qui va relancer cette deuxième mi-temps. On sait qu'il n'a pas joué du deuxième carton. Il est relancé là par Vincent Collet et il va directement trouver Andrew Albici en zone D qui va passer en zone C. Andrew Albici, toujours à 3 points défendus par Cédi Osman qui va trouver Evan Fournier en zone D qui retrouve Terry Tarpe. Terry Tarpe pour Gobert, le ballon circule vite. Fournier à 3 points, Fournier à 3 points qui va transmettre à Yabusele. Il aurait pu prendre son shoot, Evan. Oui, c'est ça, et finalement, il retourne en zone C. Il est toujours à 3 points derrière la ligne. Il le prend finalement en zone C. Il est loin, il est dur ce shoot et c'est raté, mais Terry Tarpe, toujours les. Il suit toujours les actions et il garde le ballon. Terry Tarpe qui va transmettre à Andrew Albici. 7 secondes à jouer. Andrew Albici en zone C qui va pénétrer. Qui ressort. Il est à 7 mètres. Et c'est dedans. Terry Tarpe qui met ce shoot. Et ça donne 10 points d'avance à l'équipe de France. Oui, très joli step back d'Albici là en 2 points. À 2 points qui ouvre le compteur de la deuxième mi-temps. Avec maintenant Sengun à 3 points. En zone A, Osman maintenant. Osman qui trouve Korkmaz dans la zone A, défendu par Fournier. Il va revenir dans l'axe, qui décarte pour Sanli à 3 points, c'est raté. Rebond pour Albici, qui calme un peu le jeu en zone B. Il retrouve la zone C maintenant avec Yabusele dans la raquette. Attention à la perte de balle, assez récupéré par la Turquie. Touche pour la Turquie. Et le ballon sera rendu à la Turquie. On a vu que Gershon Yabusele s'était bien battu, mais ça sera finalement pour la Turquie. Et on est à plus 10 en ce début de deuxième quart-temps. On a vu une bonne possession défensive de l'équipe de France. Et c'est maintenant Korkmaz qui va relancer le ballon. Qui va transmettre au numéro 19, Tounser, le meneur qui remplace Larkin aujourd'hui en zone B. À 3 points, Tounser encore lui. Et ça le met encore dedans pour Tounser. Il est à 9 points. 3 points de Tounser qui permet à la Turquie de revenir à 38 points contre 45 points pour l'équipe de France. Ah oui, là il revient bien encore Tounser avec un nouveau 3 points. Il est déjà à 9 points, attention à lui avec Albici maintenant. Tarpe en zone D, Gobert qui va provoquer Sunger qui part maintenant à Tarpe dans la raquette, qui va sous le panier, qui ressort sur Albici. Albici en zone C, petit step back à 2 points, et c'est raté, rebond pour la Turquie. Et c'est un bon shoot dans le rôle Albici, mais malheureusement c'est raté. C'est Tounser qui relance en zone A. Tounser, attention, il faut éviter les 3 points. Il va pénétrer, il ressort et c'est une ballon perdu. Contre-attaque dans le droit, Albici qui va aller vite sur Terry Tarpe. Terry Tarpe, oh, c'est contre. Contré, super. Quel contre. Contre Korkmaz qui vient contrer Terry Tarpe. Le ballon sera quand même pour l'équipe de France. Oui, le ballon est sorti. C'est les Turcs qui ont mis ce ballon en touche sous le panier. Mais quel contre de Korkmaz qui stoppe Terry Tarpe. Waouh, quel contre là, il a posé le ballon sur la raquette. Magnifique. Oui, il est revenu de loin, à la régulière, sans faire de faute. Il est venu contrer ce ballon et c'est maintenant, il va rester 20 secondes pour l'équipe de France sur la possession. Fournier qui rentre dans la raquette, Fournier qui drive et c'est dedans. Quel drive d'Evan Fournier qui va finir main droite après contact et qui permet à la France de reprendre 9 points d'avance. Les Turcs maintenant qui se relancent avec Korkmaz qui arrive au logo.
en zone A. Oh, l'interception de Terry Tarpey, encore une fois, lui, qui est tout seul sous le panier. Magnifique 2 points. Quelle interception encore de Tarpey. Il s'est pas fait contrer 2 fois de suite. Ça, c'est sûr. Hein. Mais voilà, encore une nouvelle interception de Tarpey. Très bien joué de sa part. Eh oui, tu en parlais tout à l'heure, Adrien, des nombreuses interceptions de Terry Tarpey. Encore une fois, il a fait preuve, il a bien anticipé. C'est maintenant la Turquie, par contre, qui repart. Avec Sengun. Sengun qui pénètre dans la raquette, qui va marquer. Et c'est... Il ne sera pas accordé ce panier. Il ne sera pas accordé ce panier. Une faute a été sifflée par l'arbitre avant et c'est Andrew Albici qui prend cette faute. Il est un peu déçu, Sengun. Il espérait avoir le panier plus la faute. Alors qu'on revoit cette magnifique interception de Terry Tarpey qui est conclu au dunk. Alors que Sidi Osman revenait vite. Ouais, Sidi Osman a failli contrer Tarpey, mais là il a cette fois dunké au lieu de faire un lay-up sur la planche pour éviter de se faire contrer. Très bien jeune Tarpey qui fait du bien. Là encore une interception. Le jeu repart pour la Turquie maintenant en zone A. Avec Tunser, Sengun à l'extérieur, qui va rentrer dans la raquette, qui se retourne, qui shoote à 2 points, et c'est dedans. Il s'était bien défait du marquage là, de Fournier, avec Albici qui relance maintenant en zone A. Ah oui, il nous a montré toute sa palette technique, le pivot turc face à Rudy Gobert. C'est maintenant Fournier qui profite de l'écran de Gobert. Il rentre dans la raquette, Fournier, qui... Ah, c'est encore une balle perdue, et ça va donner un ballon facile à Tunser qui conclut... Et ça fait 2 points de plus pour la Turquie. Attention, ces ballons perdus, on en a déjà parlé. Ça fait 49-42 pour l'équipe de France. Il reste 6 minutes 30 dans ce carton avec Fournier qui relance la France. Au logo maintenant, qui va aller en zone C avec Yabouzélé. Fournier de toujours là, à l'extérieur, qui trouve Gobert dans la raquette sur Sengun. Et non, c'est raté, bien défendu par Sengun, qui relance maintenant avec Tunser. En zone B, en zone A maintenant, qui est au logo, bien défendu par Albici, qui met la pression. Toujours Tunser. Qui passe à Korkmaz. Korkmaz en zone A. Qui trouve Osmani là-bas dans la zone B. Bien défendu par Yabouzélé. Mais ça sera un ballon pour la Turquie. Ballon pour la Turquie. Ils ont plus que 6 secondes sur la possession. C'est très bien défendu de la part de Gershon Yabouzélé face à Osmani. Il a mis son corps en opposition. Il a touché ce ballon. Et c'est une remise en jeu avec seulement 6 secondes. Il va falloir qu'ils trouvent une solution vite, les Turcs. C'est peut-être Sidi Osman qui va la prendre. Sidi Osman en zone B, il est loin. Et c'est passage en force. Encore une fois, très bien défendu de la passe de Terry Tarpey qui avait anticipé où partirait son adversaire. Il a mis son corps, il est tombé. Et ça fait passage en force. Ballon pour l'équipe de France. Oui, c'est très bien joué de Terry Tarpey là, qui est très bon dans ce troisième quart-temps. Qui met la pression physiquement là. Et là, Osman a fait la faute. Le ballon va être rendu à l'équipe de France. Tunser sort. Remplacé. Par Heizer, le numéro 2, Seamus Heizer. Avec maintenant le ballon pour Albici en zone B, qui va relancer la France. Il passe maintenant en zone D, défendu par Osman, mais qui est un peu loin. Albici qui rentre, qui passe à Gobert. Non, c'est intercepté par la Turquie avec Osman maintenant pour la contre-attaque turque en zone A. Qui calme un peu le jeu, qui passe à Osmani, qui va rentrer dans la raquette, défendu par Gobert, et c'est dedans quand même pour Osmani. Ah oui, on avait encore une tentative d'aller-hoop de Andrew Albici pour Gobert, c'était trop compliqué, ça a permis à la Turquie de repartir vite et de marquer 2 points, attention, plus que 5 points d'avance. C'est Rudy Gobert maintenant qui va trouver Evan Fournier, en zone des Evan Fournier à 3 points, c'est raté, encore un shoot rapide qui est raté par Evan Fournier. Et ça repart vite avec Sidi Osman qui va avoir la faute. Faute d'Andrew Albici pour couper cette contre-attaque. Attention, ça fait 2 possessions offensives de l'équipe de France qui ne sont pas très bien jouées. Ça permet à la Turquie de recoller. Ils vont avoir une possession pour pourquoi pas revenir à 3 points de l'équipe de France. Oui, attention, là, la France n'y est plus trop dans ce carton. Les Turcs reviennent à 5 points plus la possession maintenant. Donc il faut se réveiller là pour la France si on ne veut pas se faire passer devant. Avec maintenant le jeu est relancé. Avec Korkmaz qui pénètre dans la raquette, qui passe à Sengun à 3 points, très loin derrière à 3 points, assez raté, rebond pour Gobert, qui passe à son meneur Hurtel de retour. Oui, c'est bien, autant ça va vite sur Yabouzélé directement dans la raquette adverse, et qui rate ce shoot, ça fait encore un raté pour l'équipe de France, et ça va permettre maintenant à la Turquie de repartir vite avec Heizer qui va directement dans la raquette, et finalement il va calmer un petit peu le jeu pour retrouver Sengun. Korkmaz à 3 points, qui fait la fin de shoot dans la zone A, à 3 points, Korkmaz est raté, et c'est sécurisé par Evan Fournier. Oui, mauvais shoot là de Korkmaz, mais rebond pour la France, donc avec Hurtel sur le logo, avec le Hurtel toujours en zone D, qui passe à Yabouzélé donc, qui feinte à 3 points, qui passe à Gobert, qui va rentrer dans la raquette, ou attention, oui, faute offensive de Gobert sur Sengun, qui n'en revient pas. Et attention, ça commence à faire beaucoup de fautes pour Rudy, il en est à sa troisième faute personnelle, il me semble, là c'est très bien joué de la part de Sengun,
Il a attendu, il a mis son corps et il en rajoute un petit peu, c'est le jeu. Ce qui permet d'avoir une faute offensive et ça a peut-être forcé encore une fois Vincent Collet à amener Rudy Gobert sur le banc. Alors qu'on sait que défensivement, et oui c'est ça, Rudy Gobert avec sa troisième faute personnelle qui va venir s'asseoir sur le banc. On connaît son importance en défense et ça peut faire du mal à l'équipe de France. Ballon pour Heizer. Ologo qui est relancé pour la Turquie, il rentre en zone A. Il est toujours en zone A, il va trouver Sengun face à Mustapha Fall. Sengun à 6 mètres, qui shoot, c'est raté, ça fera un rebond et Evan Fournier. Fournier qui relance très vite sur Tarpe en zone C, qui ressort sur Yabouzélé. Yabouzélé Hurtel maintenant pour un peu calmer le jeu. Il est sur le logo toujours. Écran de Fall, Fall qui va avoir le ballon maintenant, qui passe à Fournier à 3 points, c'est raté, rebond pour la Turquie avec Sengun maintenant. Heizer en zone A. Qui va pénétrer dans la raquette? Non, sur Osman à l'extérieur, toujours en zone A. Il reste 15 secondes de possession. Osman qui va vers la zone B, à 3 points toujours. Non, il calme un peu le jeu. Il faut faire quelque chose là pour la Turquie sur cette possession. Il va rentrer dans la raquette. Osman qui passe à Sengun. Non, une faute a été sifflée. Faute de la France. Et faute de l'équipe de France. Alors qu'on voit que c'est un troisième carton très peu prolifique en nombre de points. On est seulement à 15 points inscrits pour les deux équipes dans ce. En cumulé dans ce troisième quart-temps, les défenses encore une fois prennent le pas sur l'attaque, un petit peu comme depuis ce début de match. Et oui, l'équipe de France n'a plus marqué depuis plusieurs minutes. On est bloqué à 49. Il va falloir relancer la machine alors que Terry Tarpey va laisser sa place à Timothée Luwawu-Cabarrot. On a vu aussi l'entrée de Deli Okobo. On fait tourner un peu du côté de Vincent Collet pour reposer les cadres. Et maintenant c'est ballon Turquie avec Osmani qui transmet à Tounser. Tounser dans la zone B qui va le retrouver. Sengun dans la raquette face à Mustapha Fall. Il va travailler le pivot turc. Il va essayer de transmettre à Osmani, mais c'est raté. Ça fera un ballon pour l'équipe de France. Ouais, mauvaise passe là de Sengun pour son pivot Osmani qui rend le ballon à la France. Voilà, pour essayer enfin de marquer un panier. Là, ça fait longtemps qu'on ne score plus. Hurtel maintenant en zone C qui rentre dans la zone D qui est défendu par deux joueurs qui trouvent Yabouzélé et Fall dans la raquette. Okobo à 3 points. C'est encore raté. Rebond pour. La Turquie. Aïe aïe aïe, c'était une très belle action et ça va permettre maintenant à la Turquie de repartir avec Sedi Osman en zone A défendu par Thomas Hurtel qui a tenté d'intercepter, c'est raté. Sengun à 3 points, il prend pas le shoot, il rentre dans la raquette face à Mustapha Fall. Très bien défendu de la part de Mustapha Fall, la puissance du numéro 93 français. Et c'est finalement une faute sifflée contre l'équipe de Turquie. Magnifique défense du pivot français. Ah oui, là il a imposé tout son physique sur Sengun qui s'est écroulé dans la raquette, mais il n'y a pas eu de faute, c'est même une faute de la Turquie. La France va donc récupérer le ballon et Sengun qui sort à la place de Senli pour la Turquie. Et ça repart avec Thomas Hurtel qui remonte le ballon. Il va rentrer dans la zone C pour passer en zone D tranquillement. Il rentre dans la zone C. Il transmet à Yabouzélé qui va pouvoir pénétrer dans la raquette. Yabouzélé, c'est raté. Et il n'aura même pas son propre rebond atteint. Ça semblait un shoot facile pour Yabouzélé. Malheureusement, c'est raté. Et ça va permettre à la Turquie de relancer. Oui, le ballon est donc sorti. Ballon pour la Turquie. Amat Mbaye qui va rentrer à la place de Yabouzélé. Amat Mbaye qui a fait un très bon match contre la Slovénie, qui a pris la place de Yabouzélé qui n'a pas joué ce match, mais qui a été très bon. Là, la Turquie qui relance avec Heizer en zone C, défendu par Okobo. Heizer maintenant en zone B, hein, qui passe en zone A à Tounser à 3 points. C'est encore dedans, mais Tounser, mais qu'est-ce qui fait mal à 3 points, Tounser? Son quatrième shoot, il fait très mal. Il est extrêmement efficace. 2 points, ça fait 5 minutes que l'équipe de France n'a pas scoré. Thomas Hurtel en zone D. Attention, c'est compliqué. Okobo. Okobo qui est en raquette. Amat Mbaye, il y a 3 points dans le corner en zone B. C'est raté. C'est court. Il n'y a plus rien de rentre pour l'équipe de France. Plus rien ne rentre. Là, la possession turque pour passer devant ou revenir à égalité. Attention, là, l'équipe de France, il faut bien défendre. Osman qui rentre dans la raquette face à Fall. Le flotteur raté, rebond pour Fall. Qui relance sur Hurtel en zone A, qui passe en zone D maintenant, en zone B pour Okobo dans la raquette, c'est encore raté, rebond pour la Turquie qui part en contre-attaque, c'est un 3 contre 1 avec Tounser pour Osman, le alley-oop et c'est dedans. Et ça fait égalité, les supporters turcs sont en feu dans les tribunes, on commence à faire vraiment un petit peu n'importe quoi en attaque, plus rien de rendre, il y a une panne offensive, alors qu'on voit que les Turcs commencent à être en confiance, ça fait une sorte d'alley-oop avec cette finition de Sedi Osman. Temps mort pour l'équipe de France, 49-49, on menait depuis le début du match et là c'est plus compliqué, les Turcs commencent à être en confiance. Temps mort demandé par Vincent Collet, il va falloir qu'ils
secoue ses troupes parce que là, ça ne va plus dans ce troisième carton. Et maintenant, le stade acquis à la cause des Turcs qui va pousser encore plus maintenant. Ils sont en feu, les supporters turcs. La France n'y arrive plus, n'y est plus. Ça fait 5 minutes qu'on ne marque plus et on défend mal aussi. Donc la Turquie est revenue dans ce match, 49 partout et encore des gros shoots de Tounser à 3 points qui font mal à l'équipe de France. C'est vrai que ce joueur Tounser, on ne l'attendait pas vraiment et pourtant c'est le meilleur scoreur de son équipe sur ce match. Il est déjà à 14 points Tounser, l'arrière du club d'Anadolu Efes. Il fait vraiment du bien en l'absence de Shane Larkin. On ne savait pas trop qui allait prendre la main du côté de la Turquie. On a vu que Semus Heiser et Tounser se partagent un peu ce rôle. Et il le fait à merveille, ce numéro 19 turc. Oui, Tounser qui joue pas beaucoup dans ce match, mais dès qu'il joue, il est très efficace, il est chirurgical. Et là, il permet à la Turquie de revenir dans ce match. Très grosse rentrée à chaque fois de ce joueur qui fait du bien à la Turquie. Ouais, il est notamment à 3 points, on voit qu'il est vraiment bon. Il est à 4 sur 4 à 3 points, alors que depuis le début du tournoi, il avait seulement une moyenne de points de 3,8 et il est à 14 points sur ce match. Il est en train d'exploser son score habituel et de nous faire très mal. Le ballon est reparti avec Thomas Hurtel qui va trouver Mustapha Fall en zone C qui attend le déplacement d'Elio Kobo. Il a du mal à le trouver et finalement c'est encore une perte de balle et ça va permettre à la Turquie de repartir. Oui, là c'est pour passer devant pour l'air Turquie avec Tounser encore à 3 points de loin. Oh, c'est dedans, mais quel shoot encore de ce joueur Tounser qui porte la Turquie et qui permet à la Turquie de maintenant de mener 52-49 pour la première fois du match. La Turquie passe devant. Quel shoot de Tounser. Il est en train de nous tuer, le numéro 19 turc. C'est 17e point. Il va falloir que Thomas Hurtel, maintenant en zone C, il va falloir qu'il lui réponde sur l'écran de Mustapha Fall. Il va trouver Okobo à 3 points. Il prend pas le shoot. Il rentre. C'est un shoot compliqué encore pour Elio Kobo. Et ça part en attaque directement avec Heiser. Sur le drive, il est tout seul. Impossible de défense pour l'équipe de France. Plus 5 pour la Turquie. Il reste 50 secondes dans ce carton. Il faut relever la tête là avant de passer au quatrième carton. Il faut enfin scorer. La France n'y arrive plus. Hurtel maintenant en zone C, qui est défendu par deux joueurs, qui passe à Mbaye à 3 points, qui passe à Fall maintenant dans la raquette, qui perd la balle. Non, c'est une faute sur Fall. Eh oui, il va falloir. Ça fait presque 7 minutes qu'on n'a pas marqué de points, Adrien. C'est très compliqué. Ça ne va plus là. Actuellement, la Turquie met un terrible 19-6 à l'équipe de France dans ce troisième quart-temps. Et on voit encore une perte de balle. On en parle toujours de ces pertes de balles qui est vraiment le péché mignon de cette équipe de France et qui nous fait du mal. Thomas Hurtel qui relance en zone C. Thomas Hurtel qui va trouver Timothy Luwakabaro en zone D, qui va travailler face à Sengun, qui va rentrer. Timothy Luwakabaro s'est encore raté. Aïe. Il reste 23 secondes. Sans doute la dernière possession pour la Turquie qui va quand même calmer un peu le jeu avec Tounser en zone C, défendu de près par Mbaye. Tounser qui mange le chronomètre, c'est ce qu'il faut faire. Toujours Tounser qui va shooter à 3 points de très loin. Va-t-il encore? Oh, c'est encore dedans, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il nous fait aujourd'hui, Tounser? Encore un shoot là à 3 mètres derrière la ligne avec Fournier qui tire de loin aussi. Là, c'est raté au buzzer. Fin de ce troisième carton. Mais quel shoot encore de Tounser. Son cinquième ou sixième lancé tir à 3 points, il me semble. Pff, il est énorme. C'est après Luka Doncic qui nous avait fait très mal il y a 3 jours. Là, c'est un joueur qu'on attendait beaucoup moins. Tounser. Burkhan Tounser qui nous prend un shoot là à 9 mètres. C'est énorme là. Invraisemblable ce qu'on voit là. 57-49 à la fin du troisième quart-temps. Il va falloir que les Français soient très forts mentalement dans ce quatrième quart-temps. Il va falloir se réveiller parce que là, ce quart-temps-là, il a fait très très mal, Adrien. 22-6 pour la Turquie sur ce quart-temps. Ils nous ont littéralement mangé grâce à un énorme Tounser. Qui a mis 6 paniers à 3 points. Il n'en a pas raté, hein, c'est simple. Dès qu'il shoot à 3 points, il marque. Et ça fait très mal à l'équipe de France. Là, on revoit son shoot encore, défendu par deux joueurs français, mais c'est ficelle à chaque fois. Et oui, c'est vrai que c'est. Et je pense qu'en plus, les défenseurs français ne s'attendaient pas vraiment à ce joueur-là. On avait parlé de Korkmaz, de Sengun, de Osman. Et là, c'est vrai que Tounser, on ne l'attendait pas vraiment à ce niveau-là. Et au shoot, il est aujourd'hui. Énorme. Il est parfait au shoot et on revoit ses actions aussi en contre-attaque. Nos pertes de balles qui nous font du mal, encore une fois, on en parle souvent. Mais c'est récurrent chez l'équipe de France et ça donne des paniers faciles à cette équipe de Turquie. Ouais, là Tounser n'était même pas dans le 5 majeur au début de ce match et il est à 20 points dans ce match, c'est énorme. On voit son dernier shoot à 7 secondes à la fin du quart-temps. Il est 2 mètres derrière la ligne à 3 points. Ah, il peut célébrer, on voit qu'il est heureux. C'est fou ce qu'il propose aujourd'hui Tounser.
La France est à 16 pertes de balles. Ils sont dans leur moyenne, mais c'est pas une moyenne encourageante. 16 ballons perdus encore pour la France dans ce match. Et on est au début du quatrième quart-temps. Faut vraiment arrêter ces pertes de balles si on veut maintenant revenir dans ce match. On est mené pour la première fois du match. Et c'est logique vu ce troisième quart-temps très fort des Turcs et très mauvais des Français. Eh oui, ça va repartir pour la Turquie avec Tuncer. Encore lui qui va rentrer en zone A, défendu par Ivan Fournier, qui prend l'écran. Tuncer qui va rentrer dans la raquette, qui tente le shoot, c'est raté. Allez, c'est bien, ça va lancer cette équipe de France avec Thomas Hortel qui repart vite. Avec Timothée Louaou-Cabarro dans la raquette, Louaou-Cabarro. Et c'est dedans. Les premiers points pour l'équipe de France depuis un bon moment, qui permet à l'équipe de France de revenir à 6 points de la Turquie. Enfin des paniers pour la France, ça rentre de nouveau. Voilà, on commence bien ce quatrième quart-temps, 51-57 pour la Turquie. Avec Tuncer ballon en main à Osman maintenant, en zone A. Qui est faute de Louaou-Cabarro sur Osman. Première faute du quart-temps. Ah, c'est une faute un peu rapide sur la possession. Mais oui, ce panier de Louaou-Cabarro va faire du bien à l'équipe, va lui faire du bien personnellement aussi. On espère que ça va lancer une petite séquence offensive. Parce que là, il va falloir marquer des points. Il va falloir marquer des points pour revenir. Et aussi bien défendre face à Heiser en zone A. 12 secondes sur la possession pour les Turcs. Heiser toujours en zone A qui recule, défendu par Thomas Hortel. Face à l'écran de Senli, Heiser qui rentre en raquette face à Gobert. Bien défendu de la part de Rudy Gobert qui prend le rebond magnifique. Voilà, la France qui débute bien ce quart-temps. Avec Hortel maintenant qui relance, qui passe à Fournier dans le corner en zone D. Ah, c'est raté, ça ressort. Mais il avait le pied en touche. Ça sera un ballon pour la Turquie. Aïe, aïe, c'est encore une perte de balle plutôt bête, on peut dire. Le pied sur la ligne pour Evan Fournier. Ça va permettre à la Turquie de repartir avec Heiser qui va remonter tranquillement le ballon en zone C pour passer en zone B et transmettre à Sedi Osman, défendu par Louaou-Cabarro. Toujours en zone C, qui trouve Senli, le pivot, qui ressort avec Tuncer. Tuncer qui retrouve son pivot, Senli à 3 points, c'est raté, rebond Rudy Gobert. Ouf, ça fait du bien, là, c'est raté avec Louaou-Cabarro qui relance vite et maintenant dans la raquette, défendu par Senli qui ressort maintenant sur Hortel. Hortel qui calme un peu le jeu. En zone C, qui passe à Gobert dans la raquette et Louaou-Cabarro tout seul sous le panier. Et voilà, enfin une très belle action collective où on a trouvé nos 5 joueurs pour trouver ensuite Rudy Gobert dans la raquette qui est allé trouver Amat Mbaye tout seul sous le panier qui peut conclure 57-53. Allez, l'équipe de France, ils sont bien revenus. Il faut maintenant faire un nouveau stop défensif face à Heiser qui est en zone A, défendu par Thomas Hortel qui trouve Tuncer à 3 points encore lui. C'est raté. Premier raté de Tuncer. Le premier enfin. Échec pour le numéro 19 turc. Avec maintenant Hurtel qui relance en zone C, qui passe à Mbaye tout seul dans le corner, c'est dedans. Oui, la France revient à un point sous les yeux de Luka Doncic qui va jouer juste après face à la Belgique, temps mort de la Turquie. Et oui, très beau run de l'équipe de France, on était à 57-49 à la fin du quart temps, on est maintenant à 57-56, on est revenu à un point grâce à Amat Mbaye qui fait du bien, il fait du bien ce shoot à 3 points. Ça faisait longtemps aussi qu'on n'avait pas marqué un shoot à 3 points. On voit la rage de Timothée Louaou-Cabarro, la rage d'Amat Mbaye, des joueurs qui n'étaient pas titulaires et qui font du bien dans ce début de troisième quart-temps avec Timothée Louaou-Cabarro, avec une belle activité en attaque et en défense. La Turquie est obligée de prendre un temps mort. C'est simple, on a déjà mis plus de points que le quart-temps d'avant. On a 7-0 sur ce quart-temps. Très bien joué de la France, ils sont bien revenus. Et une belle réponse de la France là sur ces deux premières minutes. L'entraîneur turc est obligé de prendre un temps mort pour remonter ses troupes. Et on a vu que Vincent Collet a fait tourner aussi un petit peu. Il a mis du coup les deux joueurs qu'on parlait avant, Amat Mbaye et Timothée Louaou-Cabarro, avec Fournier, Gobert et Thomas Hortel sur le terrain. On a vu qu'Andrew Albici n'est plus là. Moustapha Fall aussi qu'on a moins vu sur ce dernier moment. Alors qu'on voit l'excellent Luka Doncic qui jouera cet après-midi son autre huitième de finale. Lui qui a fait tellement de mal à l'équipe de France. 47 points il y a 3 jours face à l'équipe de France. Ah oui, 47 points. Très gros match de sa part. Il enchaînait les 3 points, mais vraiment à 2 mètres derrière la ligne à chaque fois. Et défendu par un ou deux joueurs. Et il a fait un magnifique shoot au buzzer aussi sur une jambe. Quel joueur sur ce match-là, enfin, même quel joueur tout court. Et oui, là, on a vu une petite stat sur Amat Mbaye qui a 7 points sur ce match. Un apport du banc qui fait du bien à cette équipe. Avec Tuncer qui repart maintenant en zone B. Tuncer en zone B face à Evan Fournier. Il est bien défendu. Osman qui va rentrer dans la raquette, qui ressort sur Osmani à 3 points. C'est dedans. Osmani, le pivot turc qui met un bon shoot. Ça fait 60-56 pour la Turquie. Hurtel toujours à la main qui passe, qui est en zone C. Qui est bien défendu maintenant, toujours en zone D maintenant. Qui passe à Fournier à 3 points. C'est dedans, oui. 1 mètre derrière la ligne, Fournier qui sanctionne directement.
On est toujours à moins 1 pour la France, mais ça fait du bien ce 3 points de Fournier. Et encore la vision de jeu de Thomas Hurtel. On voit qu'il fixe en zone D pour aller renverser en zone C pour Evan Fournier tout seul à 3 points. Qui rentre, attention, il faut bien défendre sur ce diable de Tounser. Qui maintenant rentre en zone B. Qui va transmettre à Korkmaz qui rejoue avec Tounser. En haut de la zone B. Il va maintenant ressortir sur Senni à 3 points, mais derrière la ligne. Oh là là, ils nous font mal. Ils nous font très très mal à 3 points, ces Turcs. 63-59 pour la Turquie. Tout le monde shoot à 3 points et ça fait très mal à chaque fois. Tout le monde peut shooter à 3 points en Turquie. Là, il faut pas les laisser tout seuls. Avec Gobert seul dans la raquette qui dunk, oui. Et encore Thomas Hurtel à la passe décisive. Il varie. Un coup pour Fournier à 3 points, un coup pour Gobert dans la raquette. Ça fait 63-61. Et c'est maintenant Tounser qui est reparti, défendu par Evan Fournier, qui va trouver Korkmaz. Korkmaz en zone B qui va attaquer la raquette et ça sera une faute de Thomas Hurtel. Oui, faute sur Korkmaz là, qui allait partir au panier. Mais Hurtel l'a stoppé avec cette faute. C'est pas très grave, mais voilà, on revoit les passes décisives d'Hurtel qui est à 6 passes décisives maintenant. Donc il faut qu'il continue sur sa lancée là. Et oui, il va falloir limiter aussi les shoots à 3 points adverses, peut-être sortir plus haut pour les joueurs français. Il va falloir trouver une solution. Il va rester 6 minutes 34, 2 points d'avance pour la Turquie. Et c'est Korkmaz au lancer franc. On sait que c'est un joueur plutôt précis. Son premier lancer franc est marqué. 64-61 pour la Turquie. Oui, Korkmaz qui évolue au Philadelphie Sixers en NBA donc. Et qui n'a pas raté son lancer franc. Et oui, un jeune joueur 25 ans. Ça fait 2-3 saisons qu'il est à Philadelphie. Et qui commence à se faire une place dans cette équipe cool. De NBA. C'est raté son deuxième lancer. Rebond Rudy Gobert avec Thomas Hurtel qui repart en zone C. Thomas Hurtel qui pénètre dans la raquette. Thomas Hurtel qui va y aller pour lui cette fois-ci. Et Thomas Hurtel qui marque. Quelle rentrée de Thomas Hurtel dans le quatrième quart-temps qui permet à l'équipe de France de revenir à un point de la Turquie, 64-63. Voilà, la France continue sur cette lancée. Éviter les shoots à 3 points des Turcs avec la Osman qui est en zone A, défendu à 2. Non, maintenant c'est Luavo Cabarro qui est sur Osman. Toujours en zone A, et c'est intercepté par Luau Cabarro. Ça c'est bien joué, qui repart maintenant en zone C. Avec Fournier à 3 points dans le corner, non il shoot pas, il feinte, il rentre dans la raquette. Il passe à Luau Cabarro à l'extérieur et ça calme le jeu avec Hurtel. Il reste 11 secondes de possession. Hurtel toujours en zone D. Que va-t-il nous faire? Ah, une passe ratée pour Fournier. Une passe difficile qui voulait changer d'aile, mais c'est raté. Et encore une fois, elle a voulu renverser du bas de la zone D vers le haut de la zone C. Et cette fois-ci, c'est raté. Après, on peut pas vraiment en vouloir à Thomas Hurtel qui fait du bien dans ce quatrième carton, qui distribue très bien. Et il va maintenant falloir faire un stop défensif. Et Korkmaz qui rentre en zone A, défendu par Evan Fournier. C'est maintenant Osmani qui est face à Fournier. L'avantage de taille, Osmani. Et c'est Gobert qui est venu défendre. C'est une faute. Une faute sifflée par les arbitres alors que à vitesse réelle, il nous semblait que Gobert avait très bien défendu sur cette action. Ouais, je pense qu'il a joué le ballon, mais une faute a été sifflée par les arbitres, c'est dommage. Ça va donner deux nouveaux lancers francs pour la Turquie. Quatrième faute de Gobert. Attention, il reste quand même 5 minutes 30. Faudrait pas le perdre là dans ce quatrième carton. Et vu comment c'est serré, pourquoi pas aussi en prolongation, il faudrait que Gobert se calme un peu là sur les fautes. Et oui, c'est vrai que tu parles de ce programme de fautes. On est déjà à 3 fautes d'équipe au milieu de ce quatrième carton alors que la Turquie n'en a même pas fait une. C'est un problème récurrent, les fautes de l'équipe de France qui donne à chaque fois des lancers, des munitions à la Turquie. Cette fois-ci, c'est Osmani sur la ligne des lancers francs qui va jouer ce premier lancer franc. C'est marqué 65-63 pour la Turquie. Oui, Osmani là qui va tirer sur un deuxième lancer franc. Ça fait 65-63, il reste 5 minutes 31. Deuxième lancer franc donc pour Osmani pour mettre la Turquie à 3 points d'avance. Et c'est au fond. 3 points d'avance pour la Turquie. Et c'est Rudy Gobert qui va pouvoir transmettre à Thomas Hurtel qui va remonter le terrain de la zone A vers la zone D pour passer en zone C. Il prend l'écran de Rudy Gobert. Il retrouve Rudy Gobert, le pick and roll. Gobert qui écarte sur Luau Cabarro dans le corner en zone C. Luau Cabarro s'est marqué. Magnifique. Et la France revient à égalité. 66 partout. Enfin, la France revient dans ce match à égalité. Très beau shoot de Luau Cabarro à 3 points dans le corner. Avec maintenant, c'est Tounser en zone A. Toujours Tounser en zone A qui trouve personne. Et là, il trouve maintenant Senli à 3 points. C'est dedans encore. Ça fait ficelle. La Turquie qui reprend 3 points d'avance. 69-66. Il reste 5 minutes. Hurtel maintenant en zone D. Qui est à 3 points. Donc qui fait tourner. Toujours Hurtel. Qui passe à Mbaye à 3 points. C'est raté. Rebond pour Senli et la Turquie. Aïe,
Il aurait fait du bien ce panier d'Amatemba qui était plutôt ouvert dans le corner en zone C. Malheureusement, c'est raté. Ça va donner l'opportunité à la Turquie de prendre deux possessions d'avance avec Nusser en zone A. Qui va trouver ? C'est bien défendu. Devan Fournier, ça sera un ballon rendu à la Turquie, mais ils n'ont plus que 10 secondes sur la possession, les Turcs. Ouais, belle interception là de Fournier qui a bien lu le jeu, qui a évité Senni d'avoir le ballon dans la raquette. Et sûrement marqué vu la différence de taille. Là, on voit Tarpé sur le banc qui pourrait faire du bien à la France dans cette fin de match. Mais la Turquie va se relancer avec Tounser qui passe à Osmani. Senni en zone C. En zone A, pardon. Toujours en zone A, Tounser. Il faut shooter à 3 points là. Ouh, c'est court et airball et ballon pour la France. Ah, mais celui-là était très compliqué quand même. Il était arrêté 2 mètres derrière la ligne. Ça fait airball et ça fait une possession pour l'équipe de France pour pourquoi pas revenir à égalité. C'est Thomas Hurtel qui mène ce ballon en zone C. Il va rentrer maintenant en zone D. Défendu par Osman. Il va peut-être profiter de l'écran de Rudy Gobert. Finalement, il appelle Amatembay pour entrer en zone C. Thomas Hurtel qui retrouve Amatembay en zone D pour Luo Cabarro. Luo Cabarro qui va essayer de pénétrer, qui trouve Rudy Gobert dans la raquette. Rudy Gobert, le petit shoot à une main, c'est raté. Il prend le rebond oui. Et ça rentre 69-68, un point d'écart dans ce match. Oui, voilà, Gobert qui avait raté son shoot mais qui a repris directement le rebond pour finir son action. Moins 1 pour la France avec la Turquie qui a la balle en main. C'est Korkmaz qui a le ballon. Toujours à l'extérieur en zone A. Que va-t-il nous faire ? Korkmaz qui rentre dans la raquette, qui trouve. Oh, Korkmaz toujours. Tounser maintenant 3 points, attention. Non, oh, récupération de Luau Cabarro qui va partir tout seul, qui passe à Luau Cabarro maintenant. Et c'est bien défendu par Osman. Quel contre d'Osman qui récupère en plus le ballon. Touche pour la Turquie. Quel contre d'Osman. Aïe, 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 c'est. Ils ont eu du mal parce qu'Amatemba avait fait une super interception. Ils étaient 3 contre 1 avec Luau Cabarro et Evan Fournier, il me semble. Et finalement, c'est bien défendu de la part d'Osman. Luau Cabarro qui est un peu allé sans palais sur le joueur turc. Et ça fait une balle pour la Turquie à 3 minutes 26 du terme de ce match. C'est dommage. Toujours un point d'avance pour la Turquie. C'est dommage cette action. La France pouvait repasser devant, mais quel contre d'Osman. Là, les Français sont hauts sur le terrain pour mettre la pression. Et c'est toujours la Turquie qui a le ballon en zone C. Korkmaz. Défendu par Fournier qui va aller en zone B toujours. En zone A maintenant, toujours à l'extérieur, qui va trouver Osman, proche du logo, qui va accélérer. Donc il reste 5 secondes là, il faut faire quelque chose pour la Turquie. Que va-t-il faire Osman? Il va shooter à 3 points de très loin, c'est raté, rebond pour Gobert. Voilà, la France qui va se relancer avec Hurtel maintenant. Hurtel qui remonte le ballon en zone B pour Evan Fournier, en zone D. Evan Fournier, dernier à 3 points, qui va peut-être prendre l'écran de Rudy Gobert. Et il est à 3 points, Evan Fournier. Oh, la passe n'importe. Oh, aïe, aïe, aïe. Elle était très, très haute, cette passe d'Evan Fournier. Il s'excuse, mais bon, la balle qui est partie en tribune, carrément. C'est très mal joué de la France, là, qui pouvait encore passer devant, mais voilà, un temps mort est demandé par Vincent Collet. Ah là là, on gage des munitions. Hein. On a eu des occasions. Il y a eu cette contre-attaque de Luau Cabarro avec le beau compte de Sidi Osman. Là, encore une passe d'Evan Fournier complètement ratée. Il va pas falloir en louper trop parce qu'il reste seulement 2 minutes 51 dans ce match et la Turquie mène toujours d'un point. Oui, là, ça fait quelques minutes qu'il n'y a plus trop de paniers, mais c'est les défenses qui prennent le dessus sur cette fin de match. Là, il faut se réveiller pour la France. Il reste 2 minutes 50, c'est très serré. Ça va être très tendu cette fin de match avec sûrement les supporters turcs qui vont encore plus pousser leur équipe. Donc, attention. Et voilà, le coach turc qui donne ses dernières consignes. On voit encore la stat au niveau des pertes de balles. 19 pertes de balles pour l'équipe de France contre 13 pour la Turquie. La différence, ça se fait là, hein, clairement. Ça donne des ballons gratuits à la Turquie, des points gratuits en contre-attaque. Et ça leur permet d'être devant. Alors qu'on voit les joueurs de l'équipe de France qui discutent avec Luau Cabarro, Gobert. J'ai mal aussi à comprendre l'absence de Terry Tarpey dans cette fin de match. On a vu qu'à chaque fois qu'il était sur le terrain, il faisait du bien. Et là, on l'a vu il y a quelques minutes, assis sur le banc, un petit peu déçu, je pense aussi, de ne pas faire partie de ce match dans le Money Time. Voilà, on va voir si Vincent Collet va le remettre sur le parquet, mais peut-être qu'il est fatigué ou il a ressenti une petite gêne, on ne sait pas, mais ça ferait du bien à la France s'il pouvait revenir sur le parquet. Là, le jeu va reprendre et Terry Tarpey n'est toujours pas sur le parquet. Et c'est ballon pour la Turquie avec Seamus Heiser qui remonte le ballon. En zone A, il va trouver Korkmaz en zone A toujours, qui profite de l'écran de son pivot. Seamus Heiser qui pénètre dans la raquette. Et le contre énorme de Rudy Gobert. La contre-attaque. Luau Cabarro qui a trouvé Thomas Hurtel à 3 points. C'est devant. La France passe devant. Quelle action, quel compte de Rudy Gobert.
et la finition de Thomas Hurtel, la France prend 2 points d'avance. Magnifique action de la France là, énorme contre de Gobert qui remet la France sur les bons rails et quel shoot aussi de Hurtel à 3 points. Maintenant là, la Turquie qui a le ballon, Heizer en zone B qui passe en zone A, qui va shooter à 3 points, non, qui est toujours à l'extérieur, qui n'est pas très défendu là, mais qui est, oh, qui est step back à 3 points. Ah, c'est dedans aussi, quel shoot énorme de Heizer qui remet la Turquie devant. Et oui, on a vu que c'était Rudy Gobert qui défendait face au meneur turc et il est plus vif le meneur turc, il a pu faire un step back rapide. C'est maintenant Thomas Hurtel en zone D. Thomas Hurtel un shoot très compliqué à 3 ouais, points, c'est beaucoup trop compliqué, il était de côté, c'était très compliqué à prendre et ça va permettre à la Turquie de repartir à 1 minute 42 du terme. Ouais, faute là sur Deluau Cabarro sur Heizer, mais Hurtel, il y avait du temps pourtant dans cette possession, il fallait construire quelque chose mais il a décidé de tirer à 3 points. Très compliqué sur le côté, il était en mouvement en plus, donc shoot raté, mais là on revoit quel contre énorme de Gobert et le 3 points de Hurtel juste après. Bon, la Turquie mène d'un point et ils auront la balle, mais attention quand même. Oui, parce que là il y avait une très belle possession, une très belle action où Thomas Hurtel avait pris un 3 points, il l'avait marqué en contre-attaque. Il s'est sans doute peut-être enflammé sur l'action d'après en tentant un 3 points, cette fois-ci beaucoup trop compliqué. Et c'est la Turquie qui peut repartir avec maintenant Sedi Osman qui retrouve Tunçer qui prend l'écran de Senli. Tunçer en zone A, défendu encore une fois par Rudy Gobert et il a passé un peu haute mais c'est gardé par Korkmaz pour Osman. Tunçer très loin à 3 points, oh c'est raté heureusement, ouais. C'est rebond Timothy Luwu Cabarro. Ouais, ça ressort tout juste, il a failli remarquer un 3 points énorme là, mais Fournier en zone B, en zone C maintenant, qui passe à Gobert. Gobert en zone C qui va rentrer dans la raquette, qui est 2 contre 1, qui est bien défendu et il y a une faute sur Gobert de Osman. Oui, il s'en sort bien Rudy Gobert, il était un petit peu enfermé, il a été pris par 2-3 joueurs turcs. Il va avoir cette faute qui va redonner 14 secondes sur la possession à l'équipe de France. Il faut marquer cette fois-ci pour passer devant et Vincent Collet le sait. Il va prendre un temps mort pour mettre une stratégie au point pour la prochaine possession. Oui, là ce n'était que la première faute des Turcs dans ce carton et la France est déjà à 4. Donc ça va jouer aussi si la France est... et brouillonne sur cette fin de match, ça pourrait donner des lancers francs gratuits à la Turquie. Et à faire attention aux fautes, là, la Turquie n'est qu'à une faute. Et ils ont été très corrects sur ce carton. Ah oui, on sait que oui. La Turquie a mieux géré ce carton-là et on voit que l'équipe de France ne change pas trop. On a toujours Amat Mbaye, Timothy Luwu Cabarro, Evan Fournier, Thomas Hurtel et Rudy Gobert sur le terrain. Pour cette fin de match, il va rester 1 minute 15. Il va falloir être très fort mentalement. Il va falloir être très fort basketballement aussi. Parce que cette fin de match va être très très serrée. Oui, là, il faudra être très solide dans les deux zones pour la France. Parce que vraiment, le troisième carton de la France a vraiment fait mal. Ils ont très mal joué, mais là, ça va. Ils ont rebondi. C'est un 22-15 sur ce carton pour la France. À continuer comme ça, même si on est toujours derrière, à un point. Mais voilà, ne pas craquer, il reste 1 minute 15, ça va être très tendu. Donc à voir là maintenant, le jeu va bientôt reprendre. Et ballon pour l'équipe de France, remise en jeu, Thomas Hurtel. Thomas Hurtel derrière le panier, en zone C, qui va trouver, il va essayer de trouver, pourquoi pas Evan Fournier, finalement il a du mal. La remise en jeu est compliquée, ça sera Evan Fournier très loin en zone C. Il va rester 12 secondes, Evan Fournier qui va profiter de l'écran de Rudy Gobert en zone C. Evan Fournier, il est pris par 2 joueurs. Il ressort sur Luwu Cabarro à 3 points, il va pénétrer dans la raquette, Luwu Cabarro. Fournier, il est loin, toujours en zone C, c'est un shoot compliqué, oui, il le met dedans. Oh là là, l'action était très compliquée, c'était très brouillon, Evan Fournier avec sa technique, son toucher de la main droite qui va finir grâce à la planche, 73-72 pour l'équipe de France. 55 secondes à jouer, plus 1 pour la France, ballon pour Osman en zone C qui passe à Tunçer en zone B, qui trouve là-bas Korkmaz à 3 points, qui va shooter à 3 points, c'est raté, mais il y a eu une faute de Fournier qui n'en revient pas. Faute de Fournier sur le shoot, ça va Fournier donner 3 avec glissé, mais il est furieux le numéro 10 français. On va revoir un peu tout ça, peut-être que les arbitres pourront aller revoir cette action car Evan Fournier n'a pas l'air du tout d'accord. On voit qu'il glisse, ça fait peut-être un petit peu, elle est peut-être un petit peu sévère cette faute. On voit qu'il glisse au moment de défendre et les arbitres ont jugé que sur sa glissade il a accroché et gêné le shoot de Korkmaz. C'est vrai qu'on voit que sa main gauche vient gripper les hanches de Korkmaz et ça fait 3 lancers francs pour le numéro 22 turc. À 45 secondes de la fin, Fournier qui ne décolère pas. Attention à ne pas prendre une technique là quand même. Ça va donner 3 lancers francs pour Korkmaz qui met le premier, 73 partout. Encore 2 pour la Turquie. Et on voit que les supporters turcs
Il croise les doigts hein, avant ses lancers francs de Korkmaz. Il va falloir qu'il soit solide dans la tête, le joueur turc. On sait que dans ces moments-là, c'est compliqué. Et ça fait 2 sur 2. Il va lui rester un lancer franc. 74-73 pour la Turquie. Tout le monde est debout dans les tribunes. Là, les Turcs encouragent leur équipe. Tout le monde s'est levé pour cette fin de match très tendue. Korkmaz pour son troisième lancer franc. C'est encore dedans, plus 2 pour la Turquie. Il est clinique le joueur turc et c'est vrai que c'est ces 3 lancers francs qui nous font du mal. Maintenant, Evan Fournier va falloir se rattraper. Il remonte en zone C. Il va rester 40 secondes dans ce match, 18 secondes sur la position. Il prend l'écran de Rudy Gobert. Evan Fournier toujours en zone C qui prend un autre écran de Rudy Gobert qui essaie de rentrer dans la peinture. C'est compliqué. Une faute a été sifflée contre la Turquie. Il va avoir 14 secondes pour la prochaine possession de l'équipe de France et il reste 32 secondes dans ce match. Ouais, ce n'est que la deuxième faute turque, donc pas de lancer franc. C'est dommage là, mais là-bas, la France va relancer. 14 secondes de possession et 32 secondes sur le chronomètre général avec Hurtel qui relance sur Fournier en zone C dans le corner là-bas. Toujours en zone C à 3 points à l'extérieur. Il va rentrer maintenant à 2 points dans la raquette qui shoot. Il y a une faute de Korkmaz juste avant le shoot. Et oui, on voit que sur cette fin de match, on a vu Yabusele sur le banc, on a Yabusele sur le banc, Tarpe sur le banc. C'est vrai que c'est des choix un petit peu étonnants dans un moment si important. Un match à élimination directe et ça va faire un nouveau temps mort demandé par Vincent Collet. Il va rester 25 secondes, 14 secondes pour la prochaine possession de l'équipe de France et on est à moins 2. Oui, les Turcs maintenant qui font plus de fautes pour casser le rythme, casser le chrono, ne pas permettre à la France de bien construire. Ils sont qu'à 3 fautes générales sur ce carton. Donc c'est bien joué de la part des Turcs. Il reste maintenant 25 secondes, toujours moins 2. La France qui est menée de moins 2. Ils ont bien géré leur carton. Ils ont encore une faute à donner avant de passer aux fautes pour les lancers francs. Et là on voit qu'il met son système en place, Vincent Collet. Il explique à ses joueurs ce qu'il veut, ce qu'il attend pour ce qui peut être le dernier ballon pour l'équipe de France dans ce match. Il va falloir marquer à tout prix. Sinon, ça va être très très compliqué. Et on va voir qui va prendre les responsabilités. Est-ce qu'Evan Fournier, on voit que sur les dernières actions, c'est lui qui essaye de conclure, qui prend les shoots, qui joue pour lui un petit peu dans cette fin de match, qui prend les choses en main. Oui, le capitaine là qui veut mettre son équipe devant ou revenir au moins à égalité. On voit Yabusele qui se prend la tête dans les mains, qui ne sera pas encore sur le parquet. C'est dommage. Le jeu va bientôt reprendre. Boris Diaw, qui est dans le staff maintenant de l'équipe de France, qui est debout, qui n'arrive pas à rester assis sur cette fin de match, et on le comprend. Oui, on va avoir la possession peut-être la plus importante de cet Euro. Thomas Hurtel, à la remise en jeu, qui va trouver Fournier dans le corner à 3 points. Il a marché sur la ligne. Aïe. Encore une fois, une remise en jeu compliquée. On a essayé de trouver Evan Fournier dans le corner en zone D, et il avait le pied sur la ligne. Il va rester 24 secondes sur l'horloge. Pour la possession turque et 24 secondes aussi dans ce match. Il faudra faire faute de toute façon. Osman qui relance. Non, les Français ne font pas faute. C'est Tounser maintenant qui passe à Korkmaz en zone B. Ah voilà, la faute est enfin sifflée. 19 secondes 7 de la fin de ce match. Et la faute encore une fois sur Korkmaz. On a vu qu'il était très solide au lancer franc. S'il met les deux lancers francs, il y aura 2 possessions d'écart et ça sera très compliqué de revenir. Il faut espérer qu'il en manque au moins un des deux pour que l'équipe de France soit seulement à 3 points. Il va lancer le premier. C'est dedans pour Korkmaz. 76-73 pour la Turquie. Ah oui, là, c'est le lancer franc le plus important du match, quasiment. S'il le met, ce sera très compliqué pour la France. S'il le rate, il y a encore un petit espoir. Grosse pression sur les épaules du numéro 22 turc. Les supportrices turques qui ne savent plus où se mettre. Korkmaz, le deuxième lancer français marqué, 77-73, remontée, ballon pour Thomas Hurtel. Thomas Hurtel qui va vite vers l'avant en zone C, qui rentre dans la raquette tout seul, oui c'est dedans. La France qui est maintenant à moins 2, la pression est sur les Turcs qui ont le ballon sur Osman et faute sur Osman pour de nouveaux lancers francs pour la Turquie. Et on a vu que la Turquie voulait absolument éviter le 3 points de l'équipe de France, ils ont laissé le chemin du cercle ouvert, Thomas Hurtel en a profité. Et on demande une faute antisportive et ça sera une faute antisportive contre Timothée Louou Kabaro. C'est pas possible, ça va donner un lancer franc plus la faute pour les... C'est vrai qu'elle est un peu dure cette faute. C'est la faute qu'il faut faire en fin de match, mais c'est quand même très sévère de la part des arbitres. Doncic qui n'en revient pas là sur
sur le côté du terrain. Mais... On rigole, Timothy Cabarro, il en rit jaune un petit peu parce que là, ça fait très mal. Les arbitres vont discuter sur cette décision. Ils vont aller revoir cette action parce que c'est vrai qu'une faute antisportive là-dessus, c'est quand même très très dur. Surtout dans cette fin de match, là, il reste 11 secondes. Siffler cette faute, ça serait très sévère pour les Bleus. Ça annihilerait les chances de victoire pour la France. Verbindon qui revoit ça à la vidéo. C'est une faute de Luau Cabarro sur Osman. Ouais, il sortait tout juste de. Il était vraiment dans son camp en zone D. Et juste après la remise en jeu, Luau Cabarro qui est venu assez rapidement faire une faute. C'est vrai qu'il tend vraiment son bras sur le ventre de Sidi Osman. La faute est. Je ne dirais pas violente, mais c'est vrai qu'elle est assez impressionnante à vitesse réelle parce qu'il vient vite Luau Cabarro. On va voir ce que décident les arbitres. C'est une décision extrêmement importante que vont prendre les trois arbitres. Ah oui, là c'est soit une faute normale, donc deux lancers francs pour Osman, ou une faute antisportive. Et là, ça serait lancer franc plus possession, ça serait quasiment terminé pour la France. Attention les arbitres, que vont-ils dire? Et non, faute antisportive pour les Turcs. Donc deux lancers francs plus la possession. Aïe aïe aïe. Ah, ça sent pas bon là. C'est une décision qui va peut-être faire parler. Elle est très dure. Dans une fin de match, là ça donne vraiment un avantage quasiment. C'est quasiment rédhibitoire maintenant pour l'équipe de France. On voit les visages des joueurs français, Mustapha Fall sur le banc, Luau Cabarro qui sont dépités. On a mené tout ce match face à la Turquie et ce troisième carton nous a détruits. Et Tounser aussi qui a été en feu sur ce troisième carton. Donc là, ça donne deux lancers francs pour Osman. Plus la possession par la Turquie, il reste 12 secondes 2. Oh, c'est raté. Premier lancer franc est raté. C'est raté pour Osman. On souffle un petit peu, mais c'est encore loin d'être joué. Il va en avoir un deuxième, c'est dit Osman. On a vu que Korkmaz avait tout mis. Peut-être qu'Osman peut être plus en difficulté. Il va faire son deuxième lancer franc. C'est raté encore une fois. 0 sur 2 pour Sidi Osman. Fou. Mais là, la Turquie aura quand même la possession. Donc soit refaire faute ou essayer d'intercepter vite la balle pour les Bleus. C'est pas fini. André Albici qui croise les doigts, les supporters qui font leur prière dans les tribunes. La tension est au maximum dans cette Mercedes-Benz Arena de Berlin. Il va rester 12 secondes dans ce premier 8ème de finale de l'Eurobasket. Remise en jeu Sidi Osman. Osman qui va trouver un partenaire et non, une faute est sifflée tout de suite sur des Bleus. Luau Cabarro encore une faute. De nouveau lancer franc pour la France. Voilà, pas de faute antisportive cette fois. Donc deux lancers francs. Et il a fait la faute sur Korkmaz encore une fois, il me semble. Oui, on va voir qui c'est qui se présente sur la ligne. Et non, pas de lancer franc. Nouvelle remise en jeu pour la Turquie qui revient avec 12 secondes. Je pense qu'on rejoue la possession. Osman qui va chercher un coéquipier, il va trouver. Oh, on était. Et ballon récupéré pour l'équipe de France. Allez, Evan Fournier, 9 secondes. Evan Fournier en zone C, qui va provoquer la faute. La faute du Turc. Il va nous rester 6 secondes 9. Faute du ballon Turc. Pour l'équipe de France, 2 points de retard pour l'équipe de France. Oh là là, les Turcs ont fait un peu n'importe quoi. 0 sur 2 pour Osman. Ensuite, cette remise en jeu complètement ratée où ils rendent le ballon à Evan Fournier. Ah, ils auraient pu tuer le match là, mais ils n'ont pas réussi et c'est tant mieux pour les Bleus. Thomas Hurtel à la remise en jeu, alors que les arbitres vont attendre un petit peu. On a vu que Thomas Hurtel est prêt à faire cette remise en jeu. Est-ce qu'ils vont faire faute ou pas les Turcs? Ça serait leur cinquième faute. Que vont-ils faire? Et c'est une décision à prendre. Est-ce qu'ils laisser jouer? Ils vont laisser ouvert le 2 points, éviter le 3 points. Thomas Hurtel à la remise en jeu qui trouve Evan Fournier à 3 points. Il rentre Evan Fournier dans la raquette, petit flotteur, c'est raté. Et le claquette, la claquette de Gobert. Oh oui. Il a suivi. Fou. Magnifique. Magnifique Rudy Gobert. Oh, ce flotteur était court d'Evan Fournier. Heureusement que le géant français est là. 77 partout. Quel match, mesdames et messieurs. Quel match. Gobzilla là qui vient claquer ce dunk. Aïe. Un temps m'aurait demandé par la Turquie. Il reste 2 secondes 5 dans ce match. Flotteur très court de Fournier, mais Gobert est là. Quel pivot dingue. Du Jazz. Oh là 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 là. Qui a été récemment transféré à Minnesota. Évidemment, il réclamait la faute en même temps, mais non, rien. Il ne peut pas tout avoir. Il reste 2 secondes 5. Il ne va pas falloir faire de faute. Il ne va pas falloir faire de points pour accrocher cette prolongation. Et 5 minutes en plus dans ce match déjà. Oh là, on n'y croyait magnifique. Plus. On n'y croyait plus après cette faute antisportive. Mais les Turcs ont
ont un peu fait n'importe quoi. Ils ont raté leurs deux lancers francs. Ils ont perdu la balle sur la remise en jeu. Enfin, surtout interceptée par les Bleus. Et voilà, quel dunk là de Gobert. C'est magnifique là, ce qu'il nous a proposé. Ah, ça va vite le basket. Il y a encore 2 minutes. On pensait que c'était fini pour l'équipe de France. Et maintenant, on est à égalité. Les arbitres ont rajouté 2 dixièmes pour la prochaine possession turque. Il va rester 2 secondes 7 pour les Turcs. Bah oui, qui vont repartir du milieu de terrain. Ne pas prendre ce panier. Ne surtout pas prendre ce panier qui sera assassin. Et le retour enfin. De Terry Tarpey. Enfin. Enfin, pour essayer d'intercepter la balle et d'éviter le shoot des Turcs. Là, les Turcs vont relancer en zone A du coup. Attention, là, le jeu va bientôt reprendre. C'est Tuncer qui va remettre le ballon en jeu. Tuncer à la remise en jeu en zone A. Le long de la ligne, il va essayer de trouver un coéquipier. Il trouve. C'est Nick Tuncer à 3 points. Il est loin, défendu par Gobert. Il est très loin, Tuncer. C'est raté. Prolongation. Il nous a fait peur encore. Oh là là, oui, il aurait pu le mettre encore. Hein. S'il mettait celui-là, il nous terminait. Il nous aurait fait très très mal, ce Tuncer. Mais il a été bien défendu là par la France. Il était très loin derrière la ligne aussi. Et même sur une jambe. Mais prolongation, 77 partout. On va repartir pour 5 minutes en plus. 5 minutes de tension en plus. Mais la France est revenue, on n'y croyait plus dans cette fin de match. Mais on est toujours là. Et Rudy Gobert qui a fait une fin de match à la hauteur de ce qu'on attend de lui. Il a 15 points, 12 rebonds, double-double, le pivot français. Il a été là quand on avait besoin de lui. Vraiment, on a vu Thomas Hurtel aussi qui a fait un quatrième carton intéressant. On a du mal à expliquer un petit peu les absences de Terry Tarpey et Yabusele. Yabusele peut-être pas totalement remis de sa gêne à la cuisse. Ouais, peut-être. On sait qu'il a pas du tout joué du quatrième carton, ce qui est un peu étrange quand on sait son apport offensif et défensif. Mais peut-être qu'il n'avait pas encore le physique remis à 100% pour ce match. Il a quand même joué, il a mis 9 points. Il a été solide quand il était sur le terrain, mais voilà, son manque en fin de match se fait quand même ressentir. Et sûrement encore dans cette prolongation. Ouais, la dernière possession aussi, qui a été bien défendue par Gobert. Et là, le shoot de Tuncer qui à 3 points, qui touche la planche et qui touche le bas du cercle. Oh là là, les supporters français qui ont pu exulter dans les tribunes. Oh là là, dans la salle, ça doit être le feu. Ça doit être vraiment le feu dans la salle. Il y a tout le monde est debout, les drapeaux turcs et français sont agités de partout. Le coach turc qui est tendu aussi. Hein. Il essaye de calmer ses nerfs, on sait que c'est un nerveux. Il essaye de. Il a déjà pris une faute technique. Faute technique en première mi-temps et il faudra pas qu'il réitère cela dans le. Haussmann aussi. Dans les prolongations. On voit l'image là qui a pris une faute technique. Attention à ne pas en refaire une autre. Sinon, ça serait le vestiaire pour lui. Allez, les Bleus, il va maintenant falloir tout donner. 5 minutes pour tout donner pour aller chercher des quarts de finale. Au vu du match, ça serait intéressant quand même. Ils ont dominé une bonne partie de ce match avant de totalement craquer dans le troisième carton. Et c'est Thomas Hurtel à la relance. Thomas Hurtel en zone C. La France qui attaque toujours vers la zone C et D. Gobert maintenant dans la raquette qui rentre. Qui ressort sur Luau Cabarro. Non, pas de faute offensive, qui a toujours le ballon. Qui repasse à Gobert, défendu par 3 joueurs. Fournier, Mbaye tout seul à 3 points. Ah, c'est raté. Rebond pour Gobert tout seul au panier. Oui, c'est dedans. Gobert. La puissance de Rudy Gobert. C'est une action qui était encore une fois magnifique. On avait trouvé Matt Mbaye tout seul dans le corner en zone D. Malheureusement, c'était raté. Mais Rudy Gobert, qui est très très fort. Toujours Korkmaz, vigilant dans la raquette. Tuncer en zone B, qui retrouve Osmani pour Korkmaz. À 3 points en zone, c'est désormais Tuncer, défendu par Rudy Gobert. Il prend le 3 points. Non, finalement, il transmet à Korkmaz. Il reste seulement 3 secondes. Un 3 points compliqué. Il y a une marché. Et c'est un marché sifflé marché contre la Turquie. Oui, la Turquie donc qui attaque vers les zones A et B et qui défend dans les zones C et D. Et la France, inversement, qui attaque dans les zones C et D et défend dans les zones A et B. Donc là, le ballon est pour la France avec Hurtel en zone D. Hurtel qui remonte, qui va rentrer dans la zone C, il rentre dans la zone D pour, avec l'extrême Gobert. Il va prendre un petit flotteur un peu compliqué. Et Gobert, toujours là. Toujours Gobert. Encore lui, au rebond, la petite claquette qui fait du bien, qui donne plus 4 à l'équipe de France. Et une minute de jeu dans ce carton, plus 4 avec deux paniers de Gobert. Là, la Haussmann qui a le ballon en zone A, qui est bien défendu avec maintenant Korkmaz sur le logo, qui va vers la zone A. À 3 points toujours. Non, il feinte. Il shoot compliqué à 3 points. Là, oh, c'est dedans. Mais quel shoot! Quel shoot de Korkmaz là qui était défendu sur une jambe. Qui sur la tête de Gobert. Énorme. Énorme shoot de Korkmaz. Il a du mal ce shoot. J'ai l'impression qu'il allait chercher la faute de Gobert. Et qu'il lançait un petit peu ça, un petit peu n'importe comment. Et avec la planche, il a mis 3 points. Énorme. Un point d'avance pour l'équipe de France. Thomas Hurtel
qui va trouver Amatem Bay en zone D, Amatem Bay qui va provoquer, qui rentre dans la raquette, qui shoot et qui marque. Bien joué Amatem Bay, qui redonne 3 points d'avance à l'équipe de France. Oui, très bonne action là de Mbaye qui allait tout seul dans la raquette. Avec la Turquie maintenant, qui relance. Avec Korkmaz. Osman Ologo maintenant, défendu par Hurtel. Korkmaz en zone B qui re-shoot à 3 points. Oh, c'est re-dedans, mais quel shoot encore de Korkmaz qui remet la Turquie à égalité, 83 partout. Il reste 2 minutes 50. Deux énormes shoots de Korkmaz là. Ah, quand c'est pas Tounser, c'est Korkmaz. Ils nous font du mal à l'extérieur, c'est Turc. C'est Thomas Hurtel maintenant qui va essayer de redonner à 3 points. En zone C, c'est raté. Gobert en rebond. Et il laisse échapper ce rebond. Aïe, 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 aïe. 2 minutes 36 à jouer, 83 partout. La Turquie qui relance maintenant. Avec Korkmaz, le shooter fou, qui rentre dans la raquette cette fois à 2 points. Le layup est assez raté, oui. Gobert au rebond. Fournier maintenant, en zone A. C'était limite encore, c'est Evan Fournier qui peut remonter. Il est maintenant en zone C à 3 points. Evan Fournier, un shoot rapide. C'est le met. Oui, Evan. Encore une fois, un shoot rapide. Il a seulement posé un dribble pour ensuite prendre son shoot. Et il redonne 3 points d'avance à l'équipe de France. Voilà, les shoots qui s'enchaînent à 3 points pour les deux équipes. Tounser maintenant sur le logo qui passe à Korkmaz. Encore à 3 points. Que va-t-il faire? Oh, c'est raté. Rebond pour Gobert. Il fait du bien cet échec de Korkmaz. L'équipe de France qui va maintenant pouvoir calmer un petit peu le jeu. 1 minute 56 à jouer dans ses prolongations. Plus 3 pour la France. Thomas Hurtel en zone C toujours. Qui va prendre l'électron de Rudy Gobert. Il rentre en zone D. Thomas Hurtel qui trouve Rudy Gobert dans la raquette. Rudy Gobert, il n'aura pas la faute. Mais c'est Thomas Hurtel ou Cabarro qui récupère ce ballon. 13 secondes à jouer sur la position. Thomas Hurtel en zone D. Qui va attendre, qui va manger un petit peu le chrono. Il rentre en zone C, il rentre dans la raquette. Thomas Hurtel pour il a laissé échapper le ballon. Mais il y a une faute sifflée par les arbitres. On demande une faute antisportive côté français. Fournier qui demande la vidéo. Qu'en sera-t-il pour les arbitres? Et les arbitres qui vont encore avoir une décision importante à prendre. Hein. 1 minute 34 du terme. La France est à plus 3. On a vu que c'était une belle action encore où Thomas Hurtel voulait chercher en alley-oop après un pick and roll. Il voulait rechercher Rudy Gobert. Malheureusement, Rudy Gobert a très claire faute. Korkmaz qui pousse Gobert pour l'empêcher de faire son alley-oop. Les arbitres vont voir la vidéo. Voilà, il me semble que ça sera normalement une faute antisportive de Korkmaz. Ah, qu'est-ce qu'on revoit là? On revoit une ancienne action. Tout à l'heure, mais je pense pas que c'est ce que regardent actuellement les arbitres. Je pense. Mais c'est vrai que quand on a vu tout à l'heure la faute antisportive sifflée contre Loulou Cabarro, cette faute de Korkmaz peut très largement mériter une faute antisportive. Ah. Il l'a poussé dans le dos. On va voir qu'est-ce que regardent les arbitres. Deux lancers francs. Pour qui? Ça sera pour Rudy Gobert, je pense. Normalement, oui. C'est Rudy Gobert qui a subi cette faute et qui va avoir deux lancers francs. Mais on nous a remontré une action il y a deux minutes où le shoot de Korkmaz était rare. Le shoot qu'il avait mis il y a deux minutes. Ah non, les arbitres vont voir les vraies images cette fois parce que juste avant c'était le 3 points de Korkmaz de tout à l'heure. Voilà, les arbitres ont maintenant la faute sur Gobert. Que vont-ils siffler? On voit que Rudy Gobert était en avance dans la raquette. Il allait conclure facilement ce dunk. Et Korkmaz est arrivé derrière lui, il l'a poussé, oui. Et ce qui a empêché le pivot français de conclure ce dunk, c'est très clairement une faute antisportive. Oui, clairement. Mais que vont-ils dire, que vont dire les arbitres? Et on a encore pu apprécier cette relation entre Thomas Hurtel et Rudy Gobert. Ils se trouvent très bien les deux quand ils sont sur le terrain. Ça fait des pick and roll et ça retrouve à chaque fois Rudy Gobert dans la raquette qui est dominant. Quelle importance de Rudy Gobert dans cette prolongation, fin de carton énorme qui met la France à égalité. Et là, il met des claquettes toujours présents dans la raquette, très vigilant alors qu'il est seul contre deux ou trois à chaque fois. Mais là, que va-t-il siffler? C'est une faute antisportive. Deux lancers francs plus la possession pour la France. Il va falloir maintenant que Rudy Gobert mette ses lancers pour prendre plus 6. On est à 86-82 pour l'équipe de France. C'était Tounser qui a fait cette faute antisportive. Il va nous rester 1 minute 34 après les lancers francs de Rudy Gobert. Allez Rudy, il va falloir assurer les lancers francs. Il a pas raté Gobert. Faut les mettre ceux-là, c'est très important, ça nous mettrait un grand écart dans cette fin de match. Et premier est dedans. Fou. 82-87 pour la France. 5 points d'avance, Rudy Gobert qui travaille son shoot. Il va avoir le deuxième pour prendre 6 points d'avance, plus la possession derrière. Ça serait un écart très important, 1 minute 34 du terme. Rudy Gobert rate le deuxième, il est court. 87-82, possession pour l'équipe de France. Voilà, ce shoot, on espère qu'il ne sera pas crucial en cette fin de match. Donc plus 5 pour la France avec la possession à 1 minute 34 de la fin. Gobert à 20 points, 16 rebonds, énorme partie
pour lui. Et c'est Thomas Hurtel qui va faire la remise en jeu le long de la ligne de touche en zone D. Il va trouver Amatemba qui retrouve Thomas Hurtel qui va se déplacer vers le logo. Il est au centre du terrain. Il va rester 10 secondes sur la possession. Il va prendre l'écran de Rudy Gobert pour entrer en zone D. Thomas Hurtel qui trouve à l'opposé Amatemba qui a pas pu prendre le shoot à 3 points, qui rentre, qui prend ce compliqué. Ah, et ça ne rentre pas malheureusement. Contre-attaque pour la Turquie. Tounser maintenant au milieu de terrain. Qui passe en zone B. Qui passe maintenant en zone A. Toujours à l'extérieur du cercle. De la zone des 3 points. Toujours Tounser. Là, il reste 11 secondes. Défendu par Gobert. Tounser qui rentre dans la raquette et qui met son 2 points. Très bien joué. Parce que là, face à Rudy Gobert, c'était pas facile. 3 points d'écart. 3 points d'avance pour l'équipe de France. À 57 secondes du terme. Thomas Hurtel qui remonte ce ballon. Thomas Hurtel qui va appeler un système. Qui va aussi un petit peu manger le chrono. Il prend l'écran de Rudy Gobert pour rentrer en zone D. Il va provoquer Thomas Hurtel. Il a essayé de retrouver perdu. Gobert. C'est ballon perdu. Ballon perdu, attention là. C'est Korkmaz qui relance la Turquie en zone B. À 3 points d'écart, il reste 39 secondes. Korkmaz qui rentre dans la raquette. Et non, une faute a été sifflée de Luau Cabarro. De lancer franc pour la Turquie. Aïe, 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 cette perte de balle qui fait du mal à ce moment-là. Korkmaz qui va pouvoir ramener la Turquie à un point. C'est intenable ce match. C'est intenable. La pression est énorme. La pression est à son comble. Quand on pense qu'une équipe a fait le trou, au final, ça revient. Et la rentrée de Terry Tarpey. Parce que ouais, Luau Cabarro, il a 5 fautes. Il est très énervé. Mais exclu. On va pouvoir avoir Terry Tarpey sur cette fin de match. On sait son importance défensivement et sa qualité d'intercepteur. Korkmaz qui met le premier lancer franc. 87-85. Mais oui, là, quelle fin de match tendue. La France avait fait un écart de 5 points. Mais les Turcs sont revenus avec cette perte de balle côté français. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas perdu la balle et on le perd à un moment crucial. C'est dommage, mais on aura toujours un point d'avance pour la France. Voilà, un les Turcs point d'avance. Qui sont lancés francs. 38 secondes, on a joué. Ballon dans le camp de l'équipe de France. Thomas Hurtel qui va faire la remise en jeu et trouver Terry Tarpey. En zone A, Thomas Hurtel qui va remonter le ballon tranquillement. Il reste 20 secondes sur la possession de l'équipe de France. Thomas Hurtel en zone C. Qui va attendre, qui va manger le chrono. Il va falloir marquer les garçons, il va falloir marquer maintenant. Amatemba qui pose l'écran pour Thomas Hurtel. Thomas Hurtel qui trouve Terry Tarpey en zone D. Thomas Hurtel, il est loin, il reste 8 secondes, il est toujours en zone D. Il prend l'écran de Gobert, il va trouver Amatemba dans le corner, en zone C, à 3 points. Amatemba, il s'est raté, rebond Rudy Gobert, encore lui. 3 contre encore 1, lui. Et faute sur Gobert. Quel homme. Oh là quel, là là. Quel match, quelle fin de match heureusement de Rudy qu'il Gobert. Est là, hein. Il prend tous les rebonds offensifs. C'est une faute de Stanley là sur Gobert au rebond. Il était encore une fois 3 contre 1. Gobert, il a quand même réussi à récupérer le rebond et la faute en prime. Ça va faire du bien là, là il ne faut pas les rater. Ah oui, là, un point d'avance pour l'équipe de France. Il restera 13 secondes, 4 à jouer après les lancers francs de Rudy Gobert. S'il met 2 sur 2, on est pratiquement sûr de ne pas perdre ce match directement. On sera à l'abri, oui. On pourrait aller sur une deuxième prolongation. Mais Sandli est exclu à 5 fautes lui aussi après Timothy Luau Cabarro. Le premier lancé franc pour Rudy Gobert, très important. C'est raté pour Rudy Gobert. Aïe. La France donc qui est toujours à plus 1. Il faudrait le mettre là pour et avoir au moins 2 points d'avance. Il faudra surtout pas se prendre un shoot à 3 points évidemment, mais d'abord mettre ce lancé franc. Allez Rudy, très important. Son lancé franc le plus important du tournoi. Pour prendre 2 points d'avance, Rudy Gobert au lancer franc. C'est court, c'est très court. Rebond pour la Turquie. 12 secondes à jouer qui part très vite en contre-attaque avec Korkmaz en zone B. Korkmaz qui prend l'écran de Sengun. Korkmaz toujours lui, il reste 5 secondes à jouer. Il est toujours en zone B, il est loin, il est à 3 points. Allez, la perte de balle, Tarpey, tout seul. Terry Tarpey qui va tout finir seul. Au dunk. Et c'est fini. C'est fini l'équipe de France qui gagne ce match. On en parlait, l'importance de Terry Tarpey. Quel joueur. Ça a été très bien défendu aussi de la part de... d'Evan Fournier face à Korkmaz. L'équipe de France qui s'en sort dans ce 8ème de finale. 87-86. On ne sait pas si le panier de Teddy Terry Tarpey est accordé sur la main. Je pense que ça va finir. Mais 87-86. La France est qualifiée pour les quarts de finale au cours d'un match intenable, irrespirable à Berlin. Quel fin de match énorme là des deux équipes qui se sont répondues coup pour coup. Les trois points qui se sont enchaînés. Et les points aussi à 2 points dans la raquette, mais Gobert qui était partout là dans cette prolongation, qui était au rebond pour récupérer les erreurs de ses coéquipiers. Et là, bon, il a quand même raté ses 2 derniers lancers francs, mais sans conséquence. Qu'est aussi récupération de Terry Tarpey là, qui sauve la France. Et oui, Rudy Gobert qui finit à 19 points, 17 rebonds. Un match de mammouth pour Rudy Gobert. Un match énorme et on en avait besoin. Il en avait besoin lui aussi.
Ça va permettre à la France d'aller en quart de finale. Ce sera mardi ou mercredi contre la Serbie. Ou l'Italie. Ou l'Italie. Et ça sera évidemment sur la chaîne de l'Aza France. Ça sera retransmis tout comme le Grand Prix de Monza demain après-midi. Et on vous retrouvera donc pour le Grand Prix de Monza demain. Et les quarts de finale de l'équipe de France, ça sera mardi ou mercredi. On verra, oui. Voilà, merci Quel Adrien. Adversaire. Merci Josué. Donc merci à tous de nous avoir écoutés pour suivre ce match en audio description. N'hésitez pas à nous faire des retours sur le dispositif via nos pages Facebook et Instagram ASA France. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Twitch et YouTube. Et pourquoi pas à vous abonner, voilà. Et regarder les replays. Parce que les matchs en replay seront donc sur la chaîne YouTube de ASA France. Donc voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Alors qu'on voit une supportrice turque qui est en larmes après ce match. Donc voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Josué. Merci. Merci à vous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.